Allez, on va pas tortiller non plus 107 ans. Qu'est-ce que... Hop, hop. Pour enfermer ça, c'est quoi ça? Pour enfermer ça. Et alors, clac, 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 clac. Est-on prêt? Est-on prêt? Je ne pense pas. Mais c'est pas grave, après tout. Voyons voir, voyons voir. Voyons. Ça marche déjà. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça marche bien? Oui, il y a du son. Nous sommes le vendredi soir, 4 octobre, 21h05. Comme d'habitude, encore l'heure, tiens. J'espère que vous allez bien. Pas trop fatigué, contrairement à moi. Ce soir, on va faire quelque chose d'assez chill. Je vais pas vous réimposer 2 heures de perte de temps sur la suite de la série Chaos Engineering. Je vais me repencher cette fois sérieusement, mais j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai commencé. J'ai vite dérivé. J'étais censé me pencher dessus mardi soir et puis au final j'ai fait autre chose. Le prochain épisode, on avancera. Sûr et certain, c'est-à-dire que on fera notamment, on passera par la démo OpenTelemetry pour vous montrer un petit peu en fait, vraiment le concept et vers quoi on veut tendre. Et en fonction de comment ça se passe et si on a le temps, on essaiera de l'implémenter directement. Mais j'aurais redéployé moi une application qui est dans ce que je veux en termes de support de langage et de haute dispo. Parce que là, mine de rien, on a passé quand même une fois 2 heures sur Ghost pour rien. J'ai pas la joie. On a repassé un peu plus de 2 heures, même si au final le stream on a fait plus de 3, pour essayer de déployer un discours, tellement c'était lent sur le Raspi. Et pour découvrir qu'à la fin, comme c'est du Ruby, on n'a pas d'instrument d'auto-instrumentation pour OpenTelemetry. Donc voilà. Donc je vais pas vous réimposer ça. Ce soir, je vais revenir un petit peu sur voilà, un sujet sur tout ce qui est IA et notamment IA générative en local. C'est vrai que je ne suis pas spécialement fan de tout ce qui est usage cloud. Donc je ne suis pas fan d'OpenAI comme peut l'être Adrien, notamment par exemple. C'est con parce que j'ai vraiment pas pris le temps. J'ai commencé malgré tout pour la culture à regarder son live sur le développement d'applications, mais j'ai pas eu le temps d'aller très loin. Et la difficulté, c'est que de toute façon, c'est pas ma came. J'aime bien avoir un truc qui ne dépend pas d'un service cloud. Ça, c'est un vieux truc, c'est que je pars toujours du principe que le réseau n'étant pas fiable, je veux si possible ne pas dépendre de quelqu'un de l'extérieur pour des trucs qui seraient devenus critiques. Et donc typiquement, à partir du moment où on commence à piloter certains usages qui avant étaient autonomes avec des trucs, des dépendances en ligne, bah, ça commence à devenir compliqué. Pour l'histoire, j'ai eu la DSL qu'en 2006, c'était du 1 méga, c'était pas foufou, ça marchait, mais c'était pas foufou. Passé en ADSL dégroupé en 2010. Alors en 2014, on a pris un énorme coup de foudre et ça a déflingué tout le quartier. Et depuis ce temps-là, on avait des galères de. On a vécu 5 ans avec de l'instabilité. Comment? C'est-à-dire que de 3 mégas, on pouvait passer à 64K. Et encore, ça déconnectait assez souvent. Donc ça donne une idée un petit peu du délire. Comment? Et derrière, on est. La fibre est arrivée fin 2019. Juste avant pour le Covid, c'est génial. Parfait. Quoique non, c'était pas fin. C'était janvier 2019, pardon, je dis des bêtises, c'était début janvier 2019. Oui, parce que c'est le mois où je me suis pété le pied, au mois de décembre. J'ai passé Noël avec un pied dans le plâtre, un bonheur. Voilà. Et pareil, j'ai toujours vécu avec
des couvertures mobiles, pas toujours dingues. J'ai eu l'occasion d'expérimenter il y a 2 semaines justement le stream entre guillemets dans le RER. Je sais pas comment les gens font. C'est juste pas stable. C'est sans parler de la gueule de l'interface sur un téléphone. C'est juste pas possible. Donc oui, voilà, moi j'ai toujours vécu avec du réseau pas fiable, et donc je sais que c'est pas fiable, et donc j'ai toujours cherché à avoir quelque chose qui fonctionnait sans réseau si possible. C'est pour ça que les trois quarts des vidéos que je regarde sur YouTube sont récupérées en ligne avant d'être. Et pour les regarder après sur la télé. Alors déjà, ça me permet d'éviter toutes les merdes de YouTube sur télé. Je sais pas comment les gens font pour supporter ça, mais c'est juste pas possible. Voilà. Et comme moi, de toute façon, bah, pendant très longtemps, j'avais même pas le débit pour le faire. Voilà, l'idée c'était, hop, on récupère en local, on l'a hors ligne et on regarde sur la télé. Pour donner une idée, ça fait plus d'un an que je n'ai pas utilisé mon compte Netflix. Alors, il sert pour quelqu'un d'autre, hein, il sert pour ma petite maman en l'occurrence. Donc j'ai pas à résilier l'abonnement, mais moi-même, je n'ai plus utilisé mon compte Netflix depuis plus d'un an. Et ça me manque pas. Parce que j'ai repris l'habitude d'aller regarder des films de manière déconnectée. Voilà. Tout simplement. Et en plus, je regarde quasiment plus de séries, parce que les séries, j'en ai eu ras-le-bol de regarder des trucs qui étaient annulés en cours de route alors que c'était trop bien. Donc voilà. Donc pour en revenir au sujet des IA en local, il y a eu pas mal d'actualités sur des trucs un peu sympas qui progressent, hein, notamment dans les parties. Alors open source, on va garder le terme open source, mais on va voir que je vais essayer de ressortir un article que j'ai vu il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois, où bon, en fonction des acteurs. Voilà, hein. Un petit peu limité, on va le dire poliment. Comment? Et donc, mais voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui s'exécutent localement. Et comme vous le savez, j'ai une configuration qui est full AMD. Enfin, vous savez pas, c'est la première fois que vous regardez. Depuis 2019, en fait, je travaille avec des configurations full AMD, donc processeur et carte graphique. Et donc carte mère, hein, forcément ça va avec. Et autant vous dire que dans le domaine de l'IA et de l'IA générative, les cartes graphiques AMD, c'est une tannée, pour être poli. Et en plus, en début de semaine, je vais pouvoir vous montrer ça. Je me suis amusé à essayer de voir s'il y avait eu du mieux sur le support. Via WSL, je me suis pas intéressé à Linux encore, et de toute façon on n'est pas encore au stade où on va faire des choses sous Linux. Bon, déjà que je teste un dual boot et que je regarde si c'est relativement stable pour faire tout ce que je veux faire. Alors peut-être jouer en fonction des jeux, parce que c'est vrai que j'ai 2-3 trucs là en wishlist sur Steam qui passeraient très bien sous Linux, parce que c'est du petit jeu indé en local. Pas PUBG quoi. Et sinon, bah pareil, tout ce qui est IA générative, alors là, bon. Alors ce serait plus sympa d'avoir tout en natif sous Linux, parce que là, j'ai actuellement du Oliama. Qui est. Eh ben oui, vous allez pas le voir, c'est planqué derrière la webcam. Ah! Alors, j'ai fait quoi avec ça? Oui. Alors, tac, tac, tac. Non, c'est PowerShell. Il faut que je vous ouvre aussi PowerShell. Alors, est-ce que déjà, il y a des trucs qui traînent? Il y a un petit GEMA 2B. Oh là, oui, bon, d'accord. Vous voyez, j'ai un Oliama qui est démarré, qui tourne en local. On a un truc comme ça, non? Je sais pas. Oui, voilà. Donc le 0.3.12.
Donc ce qui est bien, c'est que sous Windows, il prévient quand il y a des mises à jour et qu'on a juste à cliquer sur la bulle et il se fait la mise à jour lui-même. Sous Linux, pour relancer le script à la main, mais bref. Donc le truc, c'est qu'actuellement, pour que Llama fonctionne avec ma carte graphique, là, sous Windows, bah forcément, je l'installe dans le Windows. Le problème, c'est que pour faire autre chose dans Windows, c'est pénible, et notamment tout ce qui est à base de Python. Du coup, j'aimerais bien pouvoir faire tourner des choses dans le WSL, donc sous Linux techniquement, sur Ubuntu. Sauf que depuis le Ubuntu WSL, je n'arrive pas à joindre le service Olyama qui tourne dans le Windows. Donc je n'arrive pas à sortir de la VM Ubuntu pour taper sur le service local Olyama. J'ai testé plusieurs articles de solutions. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, bah peut-être que je sais que depuis quelques temps déjà, on est capable d'utiliser des cartes graphiques Nvidia à travers WSL2. Qu'est-ce qu'il en est pour AMD, comme d'habitude, hein, bah AMD est encore à la bourre, puisqu'il n'y a que depuis le mois de juin qu'on est capable de comment qu'on est capable d'utiliser la bibliothèque, donc c'est Rockem, pour les cartes graphiques. Mais alors, comment dire, je l'ai pas fait en direct parce que bon, ça avait pas forcément grand intérêt, mais alors je vous cache pas que c'est un foutoir. Bon, installer WSL, ça, il n'y a pas de souci. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous disent pour installer le driver compatible. Le driver compatible, c'est 24.6.1. Et moi, je suis en 24.7, je crois, un truc comme ça. Si je fais ça, il nous dit quoi? C'est ça, je suis en 24.7.1. Il me propose le 24.8.1, que je pourrais installer d'ailleurs. Je n'aurais pas ressenti le besoin. J'aurais peut-être dû, parce que du coup je me suis fait un petit jeu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Thalassa. Et j'avais quelques bugs graphiques, je pense que potentiellement ça aurait pu corriger, mais bon, c'était ça ne m'a pas empêché de faire le jeu. Et donc en fait l'idée c'est qu'ils vous font télécharger le paquet AMD GPU install. Vous le lancez. Et là. C'est magique. Alors, lui, ça va encore. Il installe quand même pas mal de dépendances, mais bon, il se fait. Par contre, quand on lance le script AMD GPU install, en fait, quand on installe ça, quand on l'installe, il essaye de faire plein de trucs, dont charger le module via DKMS. Parce qu'en fait, c'est un driver pour une installation native Ubuntu. En fait, il n'y a pas de driver spécifique pour. Je vais y arriver pour WSL2. Donc, il installe le truc, et il fout le bordel. Et en fait, à la fin, il suffit de forcer le use case WSL Rockem dos DKMS. Donc pendant l'installation, ce truc-là va éclater. Parce qu'il va tenter d'installer le module DKMS, mais il ne peut pas. Parce que par défaut, le noyau WSL2 ne supporte pas. Il faut le recompiler pour le supporter, etc. C'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, perso, j'ai fait la recompilation de mon noyau WSL sur le PC du boulot. Sur le PC client du boulot, parce que j'avais besoin des modules de modules pour le réseau pour que Cilium fonctionne dans Kind. Un peu le bordel, mais. Et du coup, à la fin, on fait AMD GPU install, WSL, Rockem, no DKMS. Et donc par magie, bah, quand on fait Rockem info, alors on va voir si ça fonctionne toujours maintenant que j'ai redémarré. On va faire ça. Et donc là, on est censé avoir. Donc il y a un agent CPU. Ok, jusque-là tout va bien. A priori, il a bien chopé les trucs, mais j'ai des problèmes, j'ai des muscles qui se contractent tout seul. Et donc on a un agent 2 qui est la fameuse RX 7900 XT. Donc techniquement,
Vu que lui le voit, c'est qu'a priori, on est capable de s'en servir pour faire tout ce qu'on a envie de faire en matière d'intelligence artificielle. Du coup, j'ai dit, bah c'est cool, on va retourner, on va réinstaller Oliama directement dans WSL2. Je me suis quand même intéressé un petit peu à ce qui se passe. Et il y a une issue ouverte depuis le mois de juin pour dire coucou, on a Rokem à travers WSL, donc ça c'est cool. Le problème, c'est que quand on regarde la détection des drivers, en fait, ils cherchent des informations autour de 6FS, ils cherchent des informations autour d'AMD GPU. Malheureusement, ces éléments-là n'apparaissent pas en fait dans le noyau. Comme je disais, le module AMD GPU, il n'est pas chargé, puisqu'il ne peut pas être chargé dans le noyau par défaut. Alors que Rockem fonctionne, donc c'est qu'a priori, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faudrait éventuellement. Alors, j'ai pas été voir non plus tout ce qui éventuellement chatouille un peu sur le fait que. Sur le fait que ça galérerait, mais comment? Derrière, apparemment, donc malgré tout, voilà. Y a des gars qui ont créé une pull request. Sauf que ça concerne le fait est que ça veut dire je n'installe pas Oliama avec un script comme je le ferais de manière standard d'après la documentation. Typiquement, la documentation. Si on fait download Linux, on voit c'est curl install.sh pipsh. Et si on regarde la source du script, voilà, la source du script est assez claire, on sait ce que fait le script, il installe Oliama dans user local bin, il va le récupérer depuis directement depuis oliama.com, voilà. Et une fois qu'il récupère ça, il extrait l'archive. Voilà. C'est. Et derrière, je crois qu'il rajoute aussi voilà, une unité systemd. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de monstrueux hein, en termes de script. Mais en fait, pour la détection, bah, en fait, il y a des méthodes. Donc typiquement pour Nvidia, il cherchait Nvidia SMI avec CUDA version. Par contre, bah pour AMD, il fait un LSHW ou un LSPCI, il cherche après le matos. Donc bon, voilà, on n'est pas sur quelque chose de. On n'est pas sur quelque chose de foufou, quoi. Et après, bah, il cherche d'autres bibliothèques, je crois, mais. Oh bah si, normalement, il devrait peut-être. Ouais, je sais pas. Le problème, c'est que s'il trouve pas de carte derrière, il va dire non, mais y a pas de GPU. Ouais, voilà, c'est-à-dire que normalement, il récupère les bibliothèques qui vont bien. Donc, on n'est pas. Voilà. C'est pas encore parfait. Et surtout, quand il fait un DKMS install, voilà, ça. Voilà. Pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Encore ça, c'est pour CUDA Driver. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. CUDA Driver au Yum. Donc, ça, c'est quand on est sur des bases Red Hat. Donc, voilà. Y a encore du boulot. Donc, du coup, en fait, utiliser la pull request, là, ça veut dire carrément compiler Oliama, en fait. Bon. Alors, comment dire? Comment dire? Comment dire? Ah, on voit qu'il a resynchro au mois de septembre la branche. Ok. Parce que là, du coup, il a fait quoi? Ouais, voilà. Donc, on voit qu'il y a un AMD HIP Linux.go. Donc, c'est du Go. Il a dû rajouter pas mal de choses et modifier des choses dans d'autres fichiers pour dire coucou si c'est du WSL2, etc. Fais-le autrement.
En plus, il y a les problèmes de détection de mémoire, de ce que j'ai compris dans d'autres issues qui, avec WSL2, qui peuvent, voilà, qui peuvent chatouiller un petit peu. Donc y a eu du bricolage ou. Donc ouais, donc en gros, il faut compiler Oliama en local. Pareil, je le teste. Soit j'ai suffisamment la motivation et je le teste pour voir si ça se passe, mais je ferai ça sûrement hors live. Ou alors ça pourrait faire l'objet d'un live bricolage, dire, pour un autre jour dans la semaine, parce que j'aimerais bien rajouter un deuxième créneau, mais. Et du coup, il faudrait que je sois un peu plus structuré pour essayer de séparer peut-être un petit peu les trucs. Donc voilà, autre. Après, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus intéressant. C'est-à-dire que, comme je disais, enfin, il y a des choses qui bougent. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler de Zluda. Zluda, on en a entendu parler il y a quelques mois, là. Parce que AMD avait payé un développeur qui a travaillé pendant plusieurs années sur une implémentation de CUDA. Donc CUDA à la base c'est les bibliothèques d'NVIDIA pour le calcul sur CPU, enfin sur GPU, pardon. Pas juste lié à l'IA, hein, c'est calcul GPU de manière générale. Parce que ça fait très longtemps qu'on utilise les GPU pour faire du calcul monstrueux. Je pense notamment au domaine de la santé où les gens font. Enfin, c'est très utilisé pour faire de la simulation sur du comportement des protéines, ce genre de choses, sur de la recherche médicale de manière générale. Hein. De la simulation, ce genre de choses. Et après, bah, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi servir pour l'IA générative, donc coucou, pouf. Et Nvidia a commencé très tôt, donc les bibliothèques CUDA, ça fait peut-être 15 ans que ça existe. Et donc c'est ultra mature comme écosystème logiciel. Ça supporte l'intégralité des cartes graphiques Nvidia ou presque depuis 15 ans. Là où AMD, ils sont encore ultra sélectifs sur le support. Et où c'est pénible du coup, parce que là typiquement par exemple sur les Radeon 7000, ça supporte que le haut de gamme. Ça supporte que les 7900 et peut-être les 7800. Ça supporte quelques modèles des Radeon 6000. Mais pas toute la gamme. Et alors les 5000, j'en parle même pas. Et bon, bah, enfin, si vous avez encore quelque chose de plus ancien, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et donc l'idée, c'est qu'AMD a tenté de payer un gars pour faire une espèce de wrapper CUDA pour faire fonctionner pour faire fonctionner des logiciels prévus d'abord pour Nvidia. Pour les cartes graphiques AMD, sans qu'il y ait besoin de modifier le code. Ça, c'est toujours la promesse. La grande promesse du truc. Mais. Et là où c'était. Comment dire Choupi, peut-être? Je ne sais pas. En gros, le bordel était plus performant. Je ne sais plus, j'avais vu des trucs où en fait le. Comment? Voilà, c'est-à-dire que les. Comment? Les cartes graphiques avec l'implémentation CUDA, typiquement sur des trucs comme Blender, étaient plus performants avec le wrapper par-dessus ROCm que l'implémentation native. Donc là, on voyait, donc typiquement, moi j'ai une 7900 XT. Le benchmark BMW c'est 14,88 secondes. La même carte, elle met que 11 secondes pour faire le même truc avec les bibliothèques CUDA. Donc voilà. Et en plus, du coup, ça ramène les cartes graphiques, alors surtout sur le haut de gamme, ça ramène les cartes graphiques, parce que forcément, il n'y a que le haut de gamme qui est supporté dans les bibliothèques AMD. Mais ça ramène les cartes graphiques AMD très proches du niveau des cartes graphiques Nvidia en termes de performance. Ce qui montre bien qu'en termes de performance brute, ça se pose là quand même. C'est vraiment potentiel. C'est vraiment un truc viable. Alors le problème, c'est que du coup, le truc a été open sourcé cet été quand AMD a arrêté de financer le machin. Et peu de temps après, en fait, AMD a dit non, mais retirez-le. Parce que. Il y avait peut-être un petit peu de. Comment dire? D'incertitude sur la partie.
sur la partie propriété intellectuelle, ce genre de choses, même si CUDA est quand même particulièrement ouvert comme écosystème. Et c'est pour ça que ça a été intégré très fortement dans NumPy, PyTorch, tout ce que vous voulez comme framework utilisé dans le calcul scientifique, etc. Donc voilà. Et sauf que le développeur qui avait bossé là-dessus, à l'origine, sa toute première version de ce truc-là, elle était pour les cartes Intel. Avec le level 0 API, alors je ne sais plus exactement à quoi ça correspondait. À quoi ça correspond dans l'écosystème logiciel d'Intel, qui est pour le coup, enfin, de. Alors je suis pas développeur, mais quand je vois la quantité d'outils qu'il propose, ça m'a l'air beaucoup plus propre et mature, entre guillemets, que ce que fait AMD, même si bon bah Intel a beaucoup moins de matériel à proposer, forcément. Ils ont que. Bon, je sais pas dans quelle mesure les GPU intégrés ont de quoi faire le calcul, mais enfin faire du calcul performant comparé au reste du CPU. Et ils ont que trois modèles de carte graphique qui vont avoir 2 ans là. C'est d'ailleurs un problème. Il va être temps qu'ils sortent leur nouvelle carte. Ça commence à traîner depuis trop longtemps en fuite de benchmark. Et du coup, donc le gars il avait commencé ça. AMD a dit tiens, voilà des sous, bosse sur une version pour nous. Quand AMD a arrêté, le gars il a dit ok, voilà les sources. Et bon, par contre, après ça a été AMD a dit supprimer. Ok, bon, d'accord, pas de problème. Sauf qu'en fait, le développeur, lui, c'est un truc qu'il aime bien, c'est un projet qu'il adore, il a recommencé le truc de zéro avec un autre sponsor qui, pour l'instant, a priori, ne veut pas être connu. Et donc, le gars, il a réécrit from scratch, notamment pour éviter potentiellement toutes les bisbilles potentielles entre AMD et Nvidia. Le but, c'est que la bibliothèque soit vraiment agnostique du matériel qu'on a, enfin, le plus agnostique possible, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en gros, que ce soit du Nvidia, du AMD ou du Intel, et potentiellement, peut-être, en fonction de comment ça évoluera, parce que de cartes graphiques, notamment bah, chez Qualcomm, si on pense aux PC Copilot qui sont sortis cet été aussi, peut-être que le GPU a de quoi faire le boulot. Et donc l'idée, c'est de dire. Ah, malgré tout, le gars, ça fait 2 ans là qu'il triture tout ce qui concerne AMD. Forcément, il a commencé par reprendre le support AMD en premier lieu. Mais voilà, donc du coup, il y a une troisième version de Zluda qui est en cours de comment? Qui est en cours de développement. Et qui est depuis un moment, hein. Donc voilà. Après, bon. J'irai pas jusqu'à dire. Donc manifestement, il suffit de lancer l'application avec le wrapper en .exe, et puis hop, voilà. Sous Linux, il suffit de filer la bibliothèque, le chargement des dépendances. Avec le directory machin, et puis du coup après ça lance l'application. Donc c'est pas. Voilà. Cargo? C'est du Rust? Ah, c'est du Rust! Oh, en plus c'est développé en Rust! Oula! Ah ouais, d'accord, ça j'avais pas fait attention. Ok. Bah donc voilà. Il y aurait de quoi. Il y a de quoi se faire plaisir aussi avec ça. Donc après, je sais pas s'il y en a qui s'amuseraient. À part Foronix éventuellement, parce que lui, Michael Larabelle, c'est un furieux là-dessus. Donc je pense qu'il va s'amuser à le surveiller de près, à faire des benchmarks, comme il adore faire. Mais en tout cas, ça, voilà, ça. Alors, là, on parle toujours plomberie. Hein. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, on parle plomberie, mais parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre quand même. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des trucs avec des jolies applications, des jolies interfaces, ce genre de choses, et le problème, c'est qu'il faut déjà faire en sorte que ça commence par fonctionner en dessous. Et
Chez AMD, c'est toujours compliqué. Ça commence à aller, mais par contre, typiquement, j'étais tombé sur ces fiches. Voilà. Alors bon, je vous passe les demi-traductions parce qu'il y a quand même suffisamment d'anglais dedans. Donc fiche, c'est quoi? C'est une bibliothèque pour faire du text-to-speech. Vous lui filez un texte, ça vous génère une voix, voilà. Et c'est des éléments qui sont... Enfin, c'est un modèle qui est voilà, assez récent. Je vous passe les maths parce que même moi, j'ai pas tout compris. Et ben, voyez, typiquement, Fish, par exemple, donc comme je disais, il y a des gars qui ont demandé pitié, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut utiliser autre chose que Nvidia? Et voilà, coucou, il n'est pas prévu qu'on supporte Rockem, il n'est pas prévu qu'on supporte DirectML. Donc DirectML, c'est l'abstraction de DirectX 12 pour faire des tâches liées au machine learning. Donc c'est une espèce d'abstraction de Rockem ou de CUDA, par exemple, qui est notamment ce qui a été utilisé par certains pour pouvoir proposer le support AMD. L'accélération par les cartes graphiques AMD. Alors la difficulté, c'est que du coup, c'est moins performant que le natif encore. D'accord, qu'on a vu que le Rockem natif, c'était pas forcément ultra performant quand on, alors que via CUDA, on peut accélérer les choses de manière. Ça, c'est quand même dingue. C'est que CUDA, enfin le Zluda passe par-dessus Rockem et en faisant ça, c'est plus rapide qu'en faisant du Rockem natif, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc, mais eux, par exemple, ben voilà, ils veulent pas le supporter. Donc ça casse les couilles. ça casse très fortement les couilles. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus à part c'est pénible. C'est ultra pénible. Et parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va chercher un petit truc. Peut-être faire un live bricolage où on va utiliser une petite appli à base de Whisper où on parle au truc, ça se fait mouliner dans un LLM, ça donne le texte en réponse et on utilise un autre truc pour envoyer la réponse. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Après, on pourrait s'amuser à faire autre chose dans une blague. Reprendre un. J'avais. À un moment donné, j'avais bricolé un truc pendant un coup, j'étais en vacances chez ma maman, je crois. Où j'ai tenté de rejouer ce qu'avait fait Christophe Casalegno sur un équivalent de. Mince, c'est quoi le nom du. Le nom de l'ordinateur de Wargames. Je ne sais plus. Mais en gros, ça utilise des modèles de text-to-speech classiques, on va dire. Alors, pas stream. Labyrinthe, non, on s'en fout. Je sais plus. Factories, non, c'était quoi? Non, ça c'est les retours d'expérience. Les noms de domaine, je me souviens plus. Écrire un morpion, non. Mince alors, du coup. Les risques avec Sudo. Ah, celui-là, il était sympa, ça. c'était plus récent, donc du coup, je me souviens plus. Soit je l'ai déjà vu et je l'ai raté.
Non, cybersécurité, non. Oh, mais c'est pas vrai. Joshua, voilà. Bon, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il balançait, enfin, il faisait un truc avec, avec ChatGPT, pour le coup, où il récupérait la réponse de ChatGPT pour la lancer en... et donc après, derrière, est-ce que... Je sais plus si... parce qu'il me semblait que le script avait été mis à dispo, je me souviens plus. Contribution, ça va être ça. Document slide vidéo. Code script, cybersécu, donc ça va pas être ça. Jeux divers, ça. Joshua, ouais, voilà. Mais je m'étais amusé à réécrire le truc en live. Et en plus, après, bon, il y avait une fonction sur la gestion de l'écran. Donc après, l'idée, ça peut être de faire ça, mais avec un truc local plutôt qu'avec OpenAI, déjà, pour commencer. Et ça, à l'époque, je l'avais tenté, sauf que je l'avais tenté sur mon laptop. Et on n'avait pas un Gemma 2B qui est capable de donner la réponse en moins de 30 secondes sur mon PC anémique. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être refaire un truc un jour pour rigoler. Mais encore une fois, le problème c'est que tant que j'ai pas un Oliama qui tourne, que je peux taper en local. Alors après, en vrai, avec le PC de stream, enfin avec mon gros PC, là, même en mode CPU, et avec un modèle comme Gemma, ça pourrait se passer bien. Faudrait trouver le moyen malgré tout, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Parce que je sais qu'en local, il y a souvent des soucis du style coucou, je te réponds en anglais alors que je t'envoie la question en français. Ça, c'est quelque chose qui est. Et en fait, voilà, ça utilise eSpeak. Et en fait, eSpeak, il y a des modèles de voix. Donc en fonction des paramétrages, on peut avoir un truc de voix qui fonctionne. Qui donne des résultats plus ou moins convaincants. Mais je serais curieux de savoir comment ça se passe dans WSL2 pour le faire, ce truc-là, par contre. Ouais. C'est ça, ou alors faudra le faire en natif Linux complet. Si vraiment je me lance. Donc voilà. Et donc Whisper. Ça, c'est quoi? Oui. Oui, non, ça, oui. Donc j'avais dit Fish Speech. Mon prochain truc, c'était Whisper. Whisper, c'est donc une bibliothèque de... Pour le coup, bah, on parlait de text-to-speech. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va prendre un fichier audio et ça va vous faire la transcription. Donc, c'est du speech-to-text. Et c'est capable de prendre une vidéo et potentiellement de récupérer l'intégralité de ce que vous dites, par exemple, alors qu'il peut y avoir du bruit derrière. Alors, je l'ai pas testé sur d'autres fichiers où typiquement on pourrait avoir plusieurs voix pour savoir s'il est capable de détecter le fait qu'il y ait plusieurs voix et de. Mais ils ont sorti, voilà, ils ont sorti une nouvelle version. Est-ce que. Alors voilà, il y a une discussion par rapport au. Ils viennent de sortir le nouveau Whisper Large V3 Turbo. Donc en vrai, techniquement, il a un entraînement ultra récent. En termes de performance, on arrive grosso modo aux performances du V2. Mais le turbo est beaucoup plus rapide en termes de. En termes de. De vitesse, en fait, de vitesse de réponse. Ça, c'est les résultats de. D'erreurs en fait. Donc entre le V2, les scores originaux, donc il y a la base Common Voice. Donc Common Voice, c'est la base d'échantillons audio de Mozilla. Et il y a une base Fleur qui est une autre base de fichiers qui a priori sont alors, censés être de meilleure qualité. Bon, manifestement, Cleaner Recordings. Et donc derrière, vous avez les scores d'erreur de chaque
sur chaque base d'échantillonnage audio dans différentes langues. Donc, typiquement, on voit que sur Fleur, bah, en fait, le modèle turbo, il est moins bien en termes d'erreur que même le 2, c'est-à-dire l'ancien. Et comment? Mais par contre, sur la base Common Voice, c'était un peu entre les deux. Sur le français, en tout cas. Si on parle du français. Alors, la blague, c'est que moi, Whisper, j'avais testé. J'avais déjà testé. Alors, si vous vous souvenez, on avait fait une soirée. Il y a un bout de temps. Une soirée IA générative sur AMD. Qui était quand même en demi-teinte, on va pas se mentir. Il y avait effectivement pas mal de choses qui marchaient mal, voire pas du tout. Contrairement à ce que je pensais. Parce qu'en gros. Azrock avait publié un outil qui était censé pour. Comme Azrock est un vendeur de matériel informatique, carte mère et carte graphique, entre autres, et donc des cartes graphiques AMD, et d'ailleurs, c'est potentiellement ce que j'ai dans mon PC. Fonctionne bien. Mais du coup, comment dire? Donc oui, ils avaient sorti un logiciel pour faire de l'IA générative sur les cartes graphiques AMD, sauf qu'ils l'ont jamais maintenu. Et donc les applications, quand on les a testées, étaient au mieux moyennes, voire très mauvaises, voire pas du tout fonctionnelles. Et typiquement, Whisper, j'avais... si je... Ouais, c'est celui-là. Donc vous voyez, j'ai tenté une transcription de la vidéo sur les bidouillages autour du Stream Deck où on n'avait pas réussi à le faire fonctionner avec WSL2 mais on avait réussi avec une machine virtuelle et donc tout ce qu'il a réussi à me ressortir de la piste son comment du Stream Deck Elgato donc vous voyez. Musique, 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 ok. Et à la fin, ciao! Voilà, c'est tout ce qu'il a trouvé de toute la vidéo. Et tout le reste, il me dit, bah, il y a de la musique. Donc il a mis des notes de musique. Bon. Voilà, quoi, c'était pas très concluant. J'espère pouvoir faire des tests. Dans pas longtemps sur ce sujet-là où ça se passera un peu mieux et donc typiquement avec le modèle turbo le truc c'est que alors je crois que je n'ai plus l'application qui était utilisée mais surtout de toute façon on n'avait qu'une liste déroulante avec le modèle qui était en V1 l'application n'était pas maintenue donc soit j'arrive à retrouver une application clé en main qui me fait le truc avec la possibilité de sélectionner le modèle jour. Soit on est capable d'expérimenter, et c'est là où j'ai vu, où je suis tombé sur cet article, si on enlève tous les pop-ups de merde, qui fait une espèce de. Voilà, qui dit on va utiliser Olyama, Whisper et Gradio. Gradio, c'est un framework pour créer des interfaces graphiques très rapides qui demandent très peu de code pour comment pour faire le travail tout simplement et comment et donc à la fin ça vous permet d'avoir un modèle d'interface web directement donc soit on balance du texte soit on envoie un truc. Soit on fait directement filer un fichier, voire enregistrer la voix. Vous voyez, on peut faire ça. Donc vous parlez directement à l'application. Et comment? Et derrière, bah, c'est censé marcher et c'est censé vous sortir un truc, le résultat en texte ou répondre directement. C'est-à-dire que vous parlez, ça va transcrire le truc, ça va le passer dans Olyama qui va vous donner la réponse. Voilà, tout simplement. Le problème, c'est que ça, bah, pour le développer, c'est du Python. Ça demande des modules où je suis pas sûr que les installer sur Windows, ça sera simple. Et donc derrière, derrière, ça peut être un peu galère pour avoir un truc qui fonctionne. Et donc si je le fais sous Linux, bah, j'aurai pas l'accélération matérielle. Ça tournera intégralement sur le CPU.
Donc si on fait un truc un peu en mode, le problème c'est que via une interface en vrai, ah non mais en vrai non, il faudrait le faire à la main, je suis pas sûr que ce soit possible, c'est pareil. J'ai découvert il y a quelques temps qu'il y avait des API text-to-speech directement dans les navigateurs. Ça doit exister depuis très longtemps pour des raisons d'accessibilité, je pense. Mais j'ai découvert ça que très récemment en essayant d'avoir un panneau latéral pour interroger Oliama directement depuis Firefox. Spoiler, ça marchait pas. Pas pourquoi. Alors que là, pour le coup, c'est du localhost de Windows, dans Windows même, donc il n'y a pas de traversée de pseudo firewall de mes deux là. Mais bon, ça voulait pas marcher. Et comment? Et donc en fait, oui, et le truc m'envoyait un résultat en. Comment? Un résultat en. Je suis arrivé, hein. En voix, en fait. Il y avait un truc. Ça a marché une fois, je sais plus comment, et ça m'a envoyé un truc avec la voix. Ça m'a envoyé la voix dans le navigateur. Je sais pas dans quelle mesure c'est chiant à mettre en place ou à écrire soi-même, entre guillemets, à base de JavaScript. Encore une fois, hein, je suis pas un développeur, mais. Donc sinon j'expérimenterai bien éventuellement à partir de ce code-là. Ne serait-ce que déjà, même avant de sans aller trop loin, hein, l'idée typiquement par exemple, bon là le code est encore plus rapide. Mais typiquement, je crois que là-dedans, voilà, si je veux tester la transcription, comment? J'aimerais bien avoir un truc simple, entre guillemets, où je fais au moins la transcription du même fichier pour voir la différence avec l'original, qui marchait pas du tout. Ouais, parce que je me suis posé la question aussi, je me suis dit, oh, c'est bizarre, il y a un problème avec. Il y a un problème. Alors, j'ai été chercher une autre vidéo hein, pour essayer de. Comment? Pour essayer, donc j'ai pris un sketch de Fabrice Eboué qui date de 2011. Hein. Mais mine de rien, bah là pour le coup j'ai le texte. Et donc j'ai à peu de choses près tout le texte du. Comment? Du sketch. Il y a très très peu d'erreurs sur le. Comment? Sur la diction du sketch. Et il est capable de détecter quand il y a des rires en fond, quand il y a des applaudissements, ce genre de choses. Il le dit bien. Donc, et j'avais regardé aussi le fichier en question. J'ai bien qu'une seule piste audio, parce que ça, je me suis fait un peu. Je me suis demandé aussi si j'avais pas un. Si j'avais pas une erreur sur mon fichier. Hein, mais j'ai bien une seule piste, input 0, ici, voilà. Donc j'ai bien un seul truc. On voit que ça a été créé par Google. Oui, merci. C'est un extrait, c'est retiré de la vidéo. Enfin, c'est retiré de YouTube, donc. Donc voilà. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de tester aussi. Et. Et ça, pareil, vu le peu. Alors en plus, là, comme il s'agit de traiter de l'audio. Ici, dans l'autre sens, il n'y a peut-être pas besoin d'entendre le fichier d'origine pour ensuite vérifier le résultat en texte. Mais à l'inverse, si je veux tenter des trucs dans l'autre sens, donc générer du son, typiquement que ce soit le bricolage à partir de Joshua ou comment? Ou un truc plus poussé, même si bon bah typiquement ce sera pas fiche. Là, pour l'instant, je sais déjà pas comment ça va se passer pour sortir le son et vous le sortir à vous dans OBS pour que vous l'entendiez sur le live sans qu'il y ait des. Comment dire? Sans qu'il y ait un doublon avec un son qui viendrait d'un autre truc. Alors, pas la musique, parce que la musique, elle est lue directement dans VLC, elle est lue directement dans OBS, donc ça, je sais que ça irait.
Mais du coup, bonsoir, la mesure de Dirac. Dirac, le scientifique. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, si je faut que j'expérimente avant, sans que ça vous torture, si jamais je me rate sur des boucles, etc. Bien, bon, claqué, mais bien quand même, quoi. J'ai encore passé une bonne semaine. En plus, hier soir, je suis encore rentré relativement. J'ai encore passé une bonne. Ouais, la routine, ouais. Voilà. Raison, ouais. Voilà, pas trop l'occasion de se reposer dans la semaine. Et du coup. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que ce soir, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus chill, surtout que bon, avec. Le dernier live qui s'est encore, on va dire, alors mal terminé dans le sens où j'ai encore appris que j'avais perdu 2 heures pour rien. Et ça, c'est ma connerie. J'ai qu'à lire mieux les documentations avant de me lancer dans des débilités. Voilà. C'est-à-dire que s'arracher pour déployer une application pour découvrir qu'on ne pourra pas s'en servir dans le futur, c'est un bonheur. Au moins, c'est que 2 heures. Mais j'avais déjà galéré avec le premier live, donc. La partie, ma série sur le chaos engineering démarre très mal. Donc voilà, donc ce soir, là, j'avais envie de revenir un petit peu parce que j'ai eu pas mal d'avancées, entre guillemets, ou d'évolutions autour des IA génératives, et notamment tout ce qui tourne avec mon matériel, puisque j'ai du matériel full AMD, donc j'essaye de faire marcher ça sur mon matériel à moi, ce qui n'est pas toujours facile. Mais il y a des choses qui bougent un petit peu, donc voilà, ça me chatouille un chouïa. J'ai vu aussi qu'il y avait. Alors, j'ai rien vu encore pour dire d'avoir un truc pour s'en servir, mais Pixtral. Donc, c'est un modèle multimodal annoncé comme open source de chez Mistral. Bon, Mistral étant. Voilà. Oui, coucou, cocorico, c'est du français. Coucou, le modèle est publié en Apache 2.0. On ne sait pas sur quoi, je sais plus s'ils ont annoncé sur quoi il avait été entraîné en termes de données. Mais comment? Après, là, je crois que c'est surtout sur la partie image. S'il parle de multimodal, c'est surtout. Ouais, parce qu'il parle de Lyava. Lyava, c'est pour faire de la reconnaissance d'image. On avait déjà vu ça pour le coup, on avait testé avec le fait qu'il était capable de décrire le contenu d'une image. Plus ou moins précisément. C'était pas. Voilà, j'avais donné une image qui était pourtant pas monstrueuse et c'était pas toujours très 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 clair. Mais comment? Oui, bon, là, on passe sur toutes les maths. Ah, quel enfer! Et où on voit que, bon... Ah, okay. Tac, tac. Ah oui, non, ça, c'est les... Ok, c'est pour générer les images en résultat. Ah oui, putain, d'accord, ok. Ah oui, donc on peut lui demander de sortir les trucs comme ça? Wow. Donc il sort les trucs avec zone, slash continent et tout. Ouais, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc bon, mais voilà, celui-là, j'ai pas cherché à l'utiliser. Je ne sais pas comment. Oh. Ah oui, donc on lui passe une image et on lui dit génère-moi le code HTML CSS. Oh la vache. Ouais, bah écoute. Hein. Et donc là, il file un code et si on prend le code et qu'on le lance, ça donne ça. Ouais. Tranquille. Alors évidemment, oui, essayer via les API. Alors, comme je le disais, il y a... Quoi. Ouais, comme je le disais, il y a une demi-heure, je suis pas fan des systèmes en mode cloud. J'aime bien quand ça tourne en local. Mais bon. Manifestement, ça a l'air un peu... Ah, non, quoique, là, on pourrait... Ouais.
Ah, ça, c'est du local, pour le coup. Ok, we recommend using Pixtral with VLLM library. D'accord, donc pas Olyama, mais VLLM. Oui, parce que potentiellement, ça permet de donner plus de choses avec... donc là, ouais, l'URL d'une photo. Hey, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, sympa, sympa. Et, donc, ouais, voilà, ça fait partie des autres... Mais c'est encore un petit peu... Voilà, ils enchaînent les publications de modèles open source et pour l'instant c'est encore un peu... On va dire... Brut de décoffrage pour dire on a une application, on a une interface, ou pouf, va me chercher ça et hop, c'est pas encore... Pour les utilisateurs, c'est pas encore magique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça... En tout cas sur la partie open source, parce que typiquement... j'ai eu l'occasion d'en parler, les gens qui utilisent du... comment? Leur téléphone Google, qui ont des téléphones récents chez Google ou chez Samsung, commencent à avoir de l'IA dans... notamment dans la manipulation d'images, avec les fameuses gommes magiques, c'est-à-dire que vous sélectionnez une zone, voire même une personne, et vous pouvez la supprimer. On a eu dans l'autre sens, où c'est... coucou, on va mixer deux images ensemble, et ça fait le montage tout seul. Donc vous prenez deux photos différentes de personnes. En gros, quand il y a quelqu'un qui prend une photo, il n'est jamais sur la photo. Bon bah là, vous prenez deux photos différentes où il y a la personne d'un côté, la personne qui manque et le reste là où vous voulez la mettre. Et hop, ça vous fait le mix pas encore parfait comme d'habitude, mais ça avance beaucoup. J'ai vu qu'il y avait ce genre de fonctionnalité où Photoshop, enfin Adobe a commencé à les rajouter dans Photoshop Elements. J'ai vu ça. Nouveauté de Photoshop Elements 2025. 2025. Et donc voilà. On peut gommer. Voilà. Donc ça, c'est. Mais bon, Photoshop, c'est pas de l'open source. Mais on est toujours encore un cran derrière, puis alors quand je parle dans les logiciels de retouche d'image, quand on voit les difficultés où les gars derrière Gimp viennent de mettre plus de 10 ans pour nous faire une migration de bibliothèques sous-jacentes, hein, parce que la migration vers GTK3 elle est toujours pas terminée. Entre-temps, Gnome a sorti GTK4. Voilà. Où ils ont tout revu encore et il faut tout refaire de zéro. C'est un peu pénible. Mais voilà. Vous voyez la gestion de la profondeur de champ, enfin, voilà, ce genre de choses. Les modifications de couleur d'objet. Combiner plusieurs images, ça c'est ce que je disais, vous voyez, on commence à pouvoir le faire avec les téléphones portables. Quand même dingue ça. Et donc, voilà, c'est... Je sais pas si j'ai des utilisateurs d'IA générative dans les rares viewers qui passent. Que ce soit en local, que ce soit sur... quand... Ou en mode cloud. J'ai vu un peu là-bas dernièrement l'application mobile d'OpenAI où on lui parle et on peut lui dire, on peut la paramétrer pour qu'elle ait une voix, un accent, ce genre de choses, et elle répond avec cette voix slash accent. Bon, c'est pas mal. Ça progresse, hein, on va dire comme ça. Et à côté de ça, en open source, bon, bah, c'est... Il n'y a pas encore, quoi. Alors que, en vrai, c'est... Il n'y a que ça pour que ce soit quelque chose de... Déjà, où ça risque pas d'être exploité. On a encore vu... Notamment... Alors, je peux comprendre, c'est vrai que là, en quelques temps, on a empilé les législations... au niveau européen, qui pose certains problèmes sur le fait de l'entraînement des modèles d'IA, des données qui sont utilisées, etc.
C'est surtout qu'en fait, notamment les entreprises américaines, elles ne demandent pas la permission, quoi. On l'a vu, typiquement, Photoshop dit coucou, on intègre de l'IA. Ah oui, au fait, on s'est entraîné sur tout ce que vous avez stocké dans Adobe Cloud, dans Creative Cloud. Pardon? Mais ils n'avaient pas demandé avant? Non, non. Il y avait une petite ligne qui disait qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait avec ce que vous filiez dans le cloud. Donc. Et je sais plus. Là, on a vu aussi. Donc, c'est d'ailleurs, du coup, on a vu des trucs avec genre l'IAMA 3.2 et pas dispo en Europe, je crois, ou un truc comme ça. Ou alors ça a fini par arriver, mais. D'ailleurs, tiens, pour parler de l'IAMA. Qu'est-ce qu'ils ont dans les derniers modèles? Ils ont quoi? Ah bah si, bon. Bah si. Oui, a priori, de toute façon, ça. On a quoi? Ah oui, c'est les small. Ouais, voilà, les modèles larges, entre guillemets, on n'y a pas accès. Mais bon, j'imagine que ce truc-là, est-ce que ce truc-là est encore bien, encore exploitable pour de l'anglais? Parce que bon, c'est bien beau les domaines. Oui, si. English, German, French, Italian, Portuguese, Hindi, Spanish, Thai, officially supported. Ok. Bon, bah. Ouais. On pourra les choses, on pourra. Tenter de l'utiliser. Hein, Est-ce qu'on a paf, on peut faire ça. Fully manifest. Oui. Oh, fait 2 gigas quoi. Donc on a quoi? Solar Pro, ouais, 22 000. Oula, fou. Design to. Ah oui, celui-là, je l'avais vu, je crois. Design to fit in a single GPU. Et quand j'avais regardé, on avait vu les trucs, je crois. Paf, 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 ils avaient parlé. Bon, sur un seul GPU avec 80 gigas de RAM. Voilà, voilà. Ce 80 gigas de RAM, je l'ai vu que quand on s'était penché sur sur les H100 de Nvidia, donc des petites du petit matériel à quoi, c'est quoi, 20 000 $, un truc comme ça, pièce, et qui consomme un truc comme 700 watts, je crois, un truc comme ça, un truc de furieux quoi. Donc ouais, c'est pas. Et on a un Mistral, Reader LM, ouais, DeepSeek, Réflexion. Réflexion, c'est pas le truc qu'ils avaient. Qu'ils avaient cherché à. Qui c'est qui avait parlé de ça? Bah, je crois que c'est OpenAI qui a dit le modèle va réfléchir. Donc en fait, le truc, c'est qu'il fait une première réponse et il repasse sur cette première réponse pour dire peut-être que j'ai dit une connerie et qui du coup va essayer de se corriger. Bon, c'est plus. Je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant. Je sais pas dans quelle mesure ça peut être performant comparé à une réponse directe. Je crois que ça, c'est vraiment plus pour de la recherche, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour essayer de réduire potentiellement le nombre d'hallucinations, on va dire comme ça. Donc, après, on a quoi? Phi 3.5, donc ça, c'est la mise à jour du Phi 3 que j'avais déjà testé par le passé. Ouais, bah après, on est sur du. Après, le truc, c'est qu'au Llama, par nature, c'est quand même très orienté texte pur, quoi. Parce que c'est basé sur l'architecture Llama, évidemment. Donc, du coup, dès qu'on veut faire autre chose, ça commence à devenir un peu. Alors, je sais qu'il y a des modèles, bah, typiquement, avec. C'était quoi? C'était basé sur Llama, je crois.
Voilà, donc en fait on a des LiaVa avec embarqués sur le truc. Donc LiaVa, c'est ce qui fait de la reconnaissance de contenu dans l'image. Voilà. Et comment? Donc c'est on lui passe le chemin d'une image, on lui demande de décrire le contenu, il va décrire le contenu. Pas toujours de manière parfaite, mais Et de ce côté-là, on avait vu qu'entre Phi 3 et Llama, je crois, entre Phi 3 et Llama 3, on avait des résultats différents. Il y en avait un qui était un peu plus à côté de la plaque que l'autre, on va dire comme ça. Voilà. Mais c'est quand même particulièrement. Comment dire? Foisonnant, mais ça, c'est la base. Enfin, c'est le cœur. Et côté intégration, côté applicatif, typiquement, il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'années maintenant, et peut-être que j'en avais parlé sur le blog, faudra que je retrouve dans les vieux trucs. J'utilisais ce qu'on appelle un launcher sur mon système. Donc ça consiste à faire apparaître via un raccourci clavier. Donc en l'occurrence, moi je crois que c'était. Je sais plus si c'était pas Windows Shift Espace, enfin j'avais fait un truc à la con. Mais l'idée c'est que j'avais une barre qui apparaissait à l'écran et je pouvais directement taper quelque chose dedans. Donc je pouvais lancer des commandes pour lancer une recherche sur le web, je pouvais lancer une recherche sur autre chose, je pouvais faire une recherche de fichiers, je pouvais lancer des applications. Et comment? Alors vous avez en partie ça. Alors, le truc c'est que là, moi en l'occurrence à l'époque, bah, c'était. On n'avait pas de menu avancé, on parle d'une époque genre Windows 7 ou un truc comme ça. Si vous êtes dans Windows 11, vous lancez le menu démarrer. Normalement, vous. Et en fait, en fonction de ce qu'on veut faire, soit il va chercher à afficher un truc local sur la machine, soit il va chercher à. Comment? Il va vous proposer des résultats de recherche sur le web. Bon, le truc, c'est que ça ouvre Edge dans Windows 11 parce que Microsoft est trop con pour respecter les choix de ses utilisateurs. Mais, enfin, pas con, malveillant. C'est pas la même chose parce que c'est à dessein. Et, comment? Et donc, vous pouvez déjà plus ou moins faire ça avec le menu de Windows. Je sais plus si j'avais un. Honnêtement, ça remonte à 2013, j'en ai forcément parlé, c'est pas possible. Wox, voilà, c'était en 2015. Alors je sais pas s'il existe encore, mais l'idée c'est que voilà, je lançais un raccourci clavier, ça me lançait un truc comme ça, et donc après je tapais un commande préfixe, donc j'avais défini le mot-clé Seb, et je lançais un truc, et après j'avais fourni l'URL, et ça me lançait directement une recherche sur le blog. Donc ça, c'est le genre d'action qu'on pouvait mettre en place, il y avait plein de widgets qui étaient possibles, on pouvait lui demander directement de faire du calcul dans la barre, et donc j'aimerais bien avoir une mise à jour de ce genre de truc-là, en intégrant directement une IA locale. Plutôt que de devoir passer en ligne de commande, en lançant le Windows Terminal, et en lançant le truc, et... Et donc en lui demandant, en tapant des trucs au format texte, avec tout ce que ça implique de limitation. Alors typiquement, est-ce que... alors non, je sais que ça marchera pas, mais on va reprendre... J'aime bien m'amuser à faire ça, à tester... Est-ce que... me résumer. Ah oui, non, il faut que je le fasse. Est-ce que tu peux me résumer ce texte en français? Là, je fais ça, là, je fais ça. Et là, je ferme. Et là, il mouline. Et donc là, il me fait le texte, machin. Donc, il me dit, Wox est un lanceur d'application qui permet de raccourcir les clics et les saisies clavier pour atteindre des sites web ou des informations spécifiques. Oui. Simple à installer et à configurer, c'est vrai. Repose sur des plugins qui peuvent être ajoutés, d'accord, impeccable. L'auteur du texte utilise Wox pour raccourcir les clics clavier pour consulter des sites web tels que son blog ou son ticket client.
Appliquer client. Pardon. Architecture en plugin, recherche web. Ok. Wox est plus rapide et facile à utiliser que les autres lanceurs d'applications disponibles sous Windows. Ouais. Notamment KDE et XFCE. Bon, c'est un peu trop résumé. Hein. C'est un petit peu trop résumé. Hein. Faut y aller, boulot. Voilà. Bon. Ouais. Et du coup, j'avais trouvé un truc à l'époque qui s'appelait launchy.net qui était. Bon, manifestement, j'ai l'impression que c'est le truc qui est plus très. Hein, oui, copyright 2008. Windows 10, 7 et XP, Android Release, Linux, Ubuntu 32 bits, on a un 64 bits. Oh là. Oula, oula. Alors c'est censé être open source. Ok. Alors, l'URL vers l'utilisateur n'existe plus. Donc ouais, je sais même pas comment c'est encore debout ce truc là quoi. Alors peut-être qu'en cherchant les infos du domaine, peut-être qu'on va avoir des gens. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, bon, peut-être. C'est chez Dreamhost, ok. Donc on voit qu'il est pas tout seul, donc c'est un hébergement mutualisé. Ok. Bon. Justement, il y a toujours quelqu'un qui paye pour. Mais ça, c'est plus. Voilà, c'est plus maintenu. Donc c'est le genre de truc. Alors, même Wox, hein, si ça se trouve, Wox n'existe plus, on va rigoler. Hein. Est-ce que on a. Alors, site officiel, Wox.one. Ok. Effective launcher, nia nia nia. Free, open source sur GitHub. Alors, si on va sur GitHub, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a eu encore une release en 2.0, mais le 30 octobre. Ah. Not feature complete. Si on utilise Windows, vaut mieux qu'on utilise la 1.x. Et en 1.x, on a des pré-releases. Bon, ouais. Okay. On a que des pré-releases, manifestement. Donc ça n'a jamais été stable. Bon, pourquoi pas. Pas forcément si grave, mais après. On voit qu'on a manifestement des petites modifications de performance. Donc il nous dit que la 1.4. Ah oui d'accord, donc la 1.4 qui date de 2020. Et le mec se réveille 3 ans après pour dire coucou, on a une Nightly V2.0 en octobre. Ouais, ok. En plus c'est plus le même gars qui développe. Pourtant ça a l'air actif hein, en termes de développement. Parce qu'on voit des commits il y a encore 4 jours, quoi. On voit des commits il y a encore 4 jours si on regarde l'historique. Ouais, on voit que ça. On voit que ça. Ah, réécrit en Flutter. Ah, intéressant. Ça. C'est. Typiquement, ça permet d'amener Flutter étant un framework multiplateforme. Ça permet d'amener potentiellement support Linux, support macOS. Et bon, vu la nature de l'application, ça aurait pas d'intérêt d'avoir d'autres cibles. Mais typiquement, chez le client chez qui je travaille, ils utilisent Flutter pour faire des applications mobiles. Voilà. Par exemple. Tac. Mais du coup, je sais pas s'il y aurait quelque chose de peut-être un peu plus, on va dire, stable. Je m'attendais quand même, mine de rien, depuis le temps, à ce qu'il soit un peu plus maintenu, mais manifestement, c'est moyen la routine. Donc vous voyez, une espèce de lanceur comme ça, qui du coup intégrerait la possibilité d'utiliser des IA génératives locales.
Moi, clairement, ça m'intéresse. Hein. Voir une application, voir intégrer ce truc-là directement, intégrer les IA locales. Là, moi, j'ai Oliama et du coup, des fois, je cherche des trucs qui vont se plugger sur Oliama. Mais je pourrais avoir aussi quelque chose qui intègre directement ce genre de moteur dans le fonctionnement. Bon, après, on va pas se mentir, hein, faut pas oublier ça. Comment dire? Alors, non, c'est pas celui-là. On fait rien et je bouffe 3 Go de RAM GPU parce que le modèle il est chargé en mémoire. Derrière, j'ai 11 Go de RAM bouffé. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui me. Ah, Firefox, 2 Go, ok. Le WSL2, 1,5 Go. D'accord, pourquoi pas. Et après, c'est une collection de. Les trucs de base de l'arrière-plan de Microsoft. Ok. Ok. Bon. En même temps, Firefox, oui, il y a 50 onglets d'ouvert, donc vous ne voyez pas grand-chose. Mais... Évidemment que ça fait mal au fion. Du coup. Et d'ailleurs, attends, ça m'énerve en fait, il veut pas me garder les. Il me met le copy à chaque fois, mais le copy, j'en ai rien à foutre. Après, à chaque... moi, c'est Compute 0 ou Compute 1 qui m'intéresserait, mais je ne sais pas comment on peut. Paramètres, on peut le faire. Gestion de fenêtres. Vitesse de mise à jour en temps réel. Hein. Avancée. Option de vidage de la mémoire, on s'en fout. Non, je peux pas paramétrer les widgets de la carte graphique à chaque fois. C'est un peu la merde. Ah bah si, compute 0, compute 1, c'est là, bah alors. Pourquoi j'ai pas. Ah oui, non, c'est vidéo codec 0 ou vidéo codec 1, ouais. M'intéresse, on voit que la carte graphique elle prend tarif pour l'encodage vidéo et on est qu'en H264. Hein. Et du coup, tac tac tac. Des menus, Synapse. Ok. Ah oui, c'est vrai, Synapse, oui. Hein. C'est vrai que ça s'était mal passé. Bon. Donc voilà, il y a pas mal de bricolage potentiel à faire. Mais ça demande quand même. C'est du bricolage. Ça reste encore beaucoup du bricolage et j'ai du mal à. On a du mal à voir arriver des trucs en open source, en utilisation locale, qui soient pas des trucs commerciaux. C'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. On va pas se mentir. Alors après, si vous débutez dans le truc et que vous essayez de. Que vous avez envie, je sais qu'il y a. Comment? Sur Next, donc anciennement Next Impact, ils ont démarré une série d'articles. Donc eux, ils doivent être là maintenant, ils doivent être accessibles entièrement. Maintenant, ils ont plus de 30 jours, voilà. Où ils se. Comment? Voilà, ils ont démarré une série d'articles depuis le mois de juin. Enfin, c'est surtout le rédac chef. Il s'est lancé là-dedans. Qui est revenu sur les fondamentaux, qui est revenu sur comment? Donc ils reviennent sur les fondamentaux, sur les neurones informatiques, etc. Et après ils font ils en voilà, il y a du démo de la démo où on dit bah on fait 10 lignes de code et puis en fait c'est un modèle IA. Voilà. Et donc après, bah, c'est comment on fait de l'entraînement, enfin comment on génère des données, comment on fait de l'entraînement. Comment? Bon, 12 lignes, hein, pas 10, mais. Et à la fin, à la fin, ils vérifient le résultat et ils s'amusent à rajouter un graphique pour avoir pour avoir les tests. Donc franchement, voilà, c'est la série est sympa pour comprendre les concepts en fait, pas forcément pour essayer après derrière, parce que bon,
S'il y a des mecs qui font des années de recherche, passer des doctorats et compagnie, et qu'il y ait besoin d'injecter des milliards de dollars pour tenter d'en faire des produits certes commerciaux, mais peut-être, mais parfois open source aussi, c'est pas par hasard. Mais pour en comprendre les concepts et du coup démystifier un petit peu le fait qu'il n'y a rien de magique, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas réellement d'intelligence. Le terme artificiel, il est bien là. Je sais plus si... Est-ce que j'avais sur mon blog... Non, il me semble que je l'avais sorti à une époque... J'avais sorti un truc sur l'intelligence artificielle. Je crois que j'avais dit... voilà, des intelligences pas si artificielles que ça... Et en fait, voilà, l'idée, c'était de dire, bon, le terme, en fait, il est mal... Il est mal choisi, et c'est surtout... comment ? Le fait que tous ces outils-là étaient spécialisés, finalement. Un LLM, c'est un modèle de langage. C'est fait pour comprendre... Enfin, c'est fait pour traiter du langage naturel. Mais ça le comprend pas. Ça le structure pour tenter ensuite de faire une réponse qui est censée être logique par rapport à la question en mettant les mots les uns derrière les autres avec des probabilités que le mot d'après ait du sens par rapport à la question qu'on a posée. C'est pour ça qu'il y a des hallucinations, c'est-à-dire que si jamais le calcul entre guillemets est faussé pour différentes raisons, le modèle ne le saura pas parce qu'il ne le comprend pas. Il est là pour chercher à générer un mot après l'autre. Et comment ? Et du coup, ça complique les choses. Ça complique les choses parce que, bah, en fait, il va asséner un truc bidon avec la même assurance que le truc réel. J'ai eu l'occasion de tester ça sur du code. Alors j'ai toujours ma fameuse marotte de dire génère-moi une. Génère-moi un modèle d'API Python avec FastAPI pour gérer une base de données de site web en lui donnant toutes les spécifications et tout le tintin. Et cet été, non, encore pas avant, cet été, encore un petit peu avant, au mois de mai, je crois, j'avais tenté un truc. Le résultat marchait pas et tout ce que j'essayais de corriger se passait mal. J'avais pris des notes, alors c'est sur le laptop, mais j'avais pris des notes pour essayer de montrer comment on avait besoin de corriger le résultat pour que ça fonctionne, et au final j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc certes je suis pas doué, mais là à un moment donné il y a des limites quoi. Ça veut pas fonctionner du tout, ça veut pas fonctionner du tout. Et avec d'autres, je sais plus avec quel modèle je l'avais tenté, et avec d'autres modèles de langage, j'avais réussi à avoir un truc un peu moins dégueulasse et plus facilement fonctionnel. Comment ? Et donc, bon, bah, voilà, c'est plus facile à bosser. Et je comprends qu'on peut gagner quand même pas mal de temps. On va pas se mentir. Mais c'est pas mal de temps pour tout... Pas pour avoir tout un truc fonctionnel complètement par rapport à ce qu'on veut. C'est pour avoir une base sur laquelle on peut travailler derrière. Ou alors après, ça va être sur des micro-tâches. Il y a... Comment ? C'est... Comment il s'appelle ? L'ami Graphic Art sur YouTube. Qui a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps pour voilà, Cursor. Cursor, c'est un fork de VS Code qui intègre directement un assistant IA. Et la vidéo fait 20 minutes, donc je vous laisse regarder. L'idée étant que... Bah, derrière, par exemple, ça peut faire des suggestions de modification, des suggestions d'inclusion. Si on dit qu'on commence à définir une fonction, il va automatiquement vous proposer d'écrire le test qui va avec, par exemple.
Si vous modifiez des paramètres de votre fonction, il va automatiquement vous modifier les paramètres du test. Il va détecter qu'il y a un test et il va vous le modifier. Et puis vous pouvez lui demander de générer complètement du code pour une fonction, pour votre application. Comment? Donc voilà, alors c'est le truc, c'est que bah Cursor, comme beaucoup d'outils, il se base sur une IA cloud. Donc c'est-à-dire qu'ils hébergent, pour le coup, c'est pas directement sur ChatGPT ou Mistral ou Claude ou voilà, chez Perplexity ou ce genre de choses. Ils l'hébergent eux-mêmes, et donc en fait l'idée c'est qu'ils vous font payer le service pour que votre navigateur. Enfin pour oui, je dis navigateur parce que bah, c'est du VS Code, c'est de l'Electron, et Electron, c'est Chromium, donc un navigateur. Donc vous faites tourner un éditeur de code source dans un navigateur pour en faire qui est masqué pour en faire une application de bureau. Et derrière, vous allez utiliser un service web pour faire un bout d'IA pour votre truc, et donc avec tout ce que ça implique de le code est en permanence balancé pour être analysé par l'IA, avec tout ce que ça implique en termes de confidentialité. Et de propreté sur sur la propriété du code, entre guillemets, même si derrière vous faites quelque chose qui est open source, c'est jamais. Voilà. Et comme ça lit l'intégralité du code, si jamais vous faites des conneries du type on met temporairement un token dans un coin ou ce genre de choses, bah, le truc va aller se faire sniffer sans que vous ayez demandé. Voilà, vous n'avez pas le. Vous n'avez pas le contrôle. Donc moi j'attends un truc comme ça. Alors je sais qu'il y a un éditeur qui se veut être un clone de Cursor, mais open source pour le coup. Parce que mine de rien, VS Code, en fait, la base de VS Code, elle est open source. La plupart du temps, malheureusement, les gens n'installent pas la version open source. Puisque bah, Microsoft fait comme Google avec Chromium. En fait, Google, ils prennent Chromium, ils rajoutent des merdes à eux par-dedans, par-dessus, ils le package, et pouf, c'est Chrome. Et Chrome n'est pas open source. Chromium, oui. Mais Chrome n'est pas Chromium. Dans Chrome, il y a plein de saloperies que Google rajoute pour vous traquer encore plus, qu'il n'y a pas dans Chromium. Qui est déjà pas forcément. Pas forcément glorieux. Et pour VS Code, c'est la même chose. Microsoft fait la même chose. Le code de VS Code est public. Il est open source. Vous pouvez le prendre et le recompiler vous-même. Ou vous faites que ce que font des personnes, c'est-à-dire packager en l'appelant VS Codeium, pour reprendre le modèle, entre guillemets, de Chromium et Chrome avec VS Code, c'est-à-dire que vous installez une version dans lesquels Microsoft n'a rien rajouté en termes de saloperie, et notamment la quantité de télémétrie qui n'a pas de sens. Et en tout cas, qui ne sert pas directement pour moi vos intérêts, et qui peut être un peu risqué parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la télémétrie, de la même façon qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la télémétrie de Windows, et donc on ne sait pas ce qu'il collecte. Mais la base est open source, donc vous pouvez avoir, si vous cherchez VS Codeium, voilà, vous avez les versions open source de VS Code. Même s'il fonctionne bien, j'ai du mal à me dire que pour l'instant que je vais me débarrasser de Sublime Text. Je cherche quelque chose qui arrive à être encore plus, qui arrive à rester léger tout en proposant un peu plus de fonctionnalités que ce que propose Sublime Text, mais en étant beaucoup moins lourd. Parce que moi, démarrer un éditeur de texte qui à vide consomme 400 mégas de RAM, je trouve ça débile. J'ai voulu tester des éditeurs un peu récents, mais qui sont pas encore. Donc il y a quoi? C'est Laps, je crois. Ouais. Donc Laps, pour l'instant, bah, il est encore
encore particulièrement. Il est encore particulièrement jeune. Et donc en termes de stabilité, c'est pas toujours ça. Mais il a plein de trucs sympas et je me tâte à repasser un peu dessus de temps en temps. Tiens, on va le. Peut le lancer. Oui, je sais, c'est un fichier exécutable. Oui, il n'a pas encore de certificat. Hop. Bon, sinon, on l'installe pas. Je vois qu'il y a une version portable. Le portable, lui, va peut-être m'emmerder un peu moins. Paf. Paf. Alors là, on va ouvrir. C'est autres options. Pzip. Extraire dans un nouveau répertoire. Hop. Et du coup, il est là. Une gueule qui n'a pas de licence, même si je le lance en portable. Donc le voilà. Et en fait, il reprend quand même une interface proche de ce que fait VS Code. Mais Labs, par exemple, lui, il est écrit en. Merde. Il est écrit en Rust, hein, si je me semble. Il me semble. C'est ça, c'est du Rust. Et donc, si on regarde dans le gestionnaire de tâches, dans le processus, si je le cherche, il est là, bah 300 mégas quand même. Hein, putain, c'est. Alors que Sublime Text, il est là. Hein. Alors soit il y a un problème avec la consommation de la détection de la consommation mémoire, soit Sublime Text, c'est vraiment 20 mégas de RAM. Pour un truc où j'ai trois fenêtres avec plusieurs onglets d'ouvert. Le problème, c'est que je peux pas intégrer des trucs modernes dedans et que ça, y a plein de trucs qui ont sauté, qui déconnent, des plugins qui sont pas maintenus, ce genre de choses. Donc ça commence à me chatouiller et je cherche des alternatives open source, mais. Et ouais, le problème, c'est que bon, 300 mégas, quoi. Là, ça m'emmerde. Après, si c'est 300 mégas et que déjà, c'est pas du. C'est pas du navigateur. Donc c'est déjà pas mal. Et après, il supporte pas mal de choses, manifestement. Alors je sais pas si là-dedans on serait capable d'ouvrir du coup. Alors si je fais un open folder. Comme c'est du folder réseau, je sais pas s'il va aimer. On va essayer de choper un truc. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait. Est-ce qu'on peut. Ah ouais, non, mais déjà, s'il n'y a pas de zoom comme ça va pas le faire. Comment ça, il n'y a pas de zoom? Pourquoi il n'y a pas de zoom? Ah, connect to WSL host. Oh, ça, c'est bien, ça. Enfin, c'est bien si ça marche. Ouais, c'est pas. Ça pourrait l'air. Non, ça c'est le truc. Mais. Ah, voilà, là ça a marché. Ah oui, enfin, c'est. Et donc là on est dans le WSL. Mais du coup, le File Explorer, comment on fait pour. Ah, le problème, c'est que si je fais ça, je reviens là. Si je fais ça, il me rouvre ça. J'arrive pas à. Si je fais un connect au WSL host, il m'ouvre un nouveau truc.
Donc là, je suis connecté, mais j'ai pas le file explorer. Là, on a les plugins. Python LSP Server, Markdown. Ah. Ah oui, du coup, on a le. Mais le problème, c'est que. Est-ce que ça va marcher du coup? Ah non, mais c'est juste pas possible, punaise. On peut pas. Ah, j'ai quoi? Core Editor. Code Glance, on s'en fout. Tab with 4. Editor with, on s'en fout. Number pixel, on s'en fout. Header. Il y a quand même pas mal de paramétrages, ça va être un peu galère. UI. Hop. Au moins déjà ça prend en compte directement le truc, donc on peut changer la taille de le. Ok. Et terminal, ça va être la même. Terminal font size. 0, use editor font size. Oui, donc là on a grossi de trucs. Ok. Donc là, si on fait ça. Il a installé Markdown. Ok. On va installer Python. On a du YAML, ça va être sympa du coup. Ok, donc ouais, il y a quand même pas mal de trucs. On a un autocomplete pour Vue.js. Ah, d'accord. Et c'est quoi matériel icon thème? For. Plugin des autoves README. Oh, bravo. Il y a l'icône thème, allez hop. Et du coup, si je fais ça, groupe 1, Open Editor, File Explorer. Ah. Et du coup, là, si je fais Open Folder. Il ne me rouvre pas le folder. Fait chier. Terminal, plugin, donc Markdown, on a des trucs en plus. Ouais. Je vais voir ce qui se passe. Alors du coup, je fais comment pour... Ouais, je suis connecté au WSL, mais... peut-être que si... Ouais, il faut que je fasse ça du coup. On va faire quoi? 4x plateforme. Ansible. Et là, il le détecte ou pas? Du coup, je suis... hiérarchie, problème, on s'en fout. Non, il a rien vu hein, pour l'instant. Hein. Ouais. On est d'accord. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non mais oh. Allô? J'ai ouvert la fenêtre de debug, il m'a fermé le truc. Oh, quel bonheur! Oui, donc là je suis dans le dossier Ansible, mais ce truc-là il est. Ah là il m'a mis automatiquement du coup dans le. D'accord. Ouais, mais c'est quand même. Putain, c'est quand même pas la folie cette histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment. On n'est vraiment pas sur le truc. Ça, c'est les settings, on s'en fout. Commande palette, et après on a une commande palette, mais ouais, c'est pas. On n'est pas sur un truc ultra. Bon, allez. On va le quitter, ça sert à rien de s'arracher.
Là, on a le Labs Data avec le data, avec les plugins, les thèmes et tout ce qu'il a installé. D'ailleurs, dans les plugins, il n'y avait pas le... C'est rigolo. Du coup, hop, on va virer ça. Ça qui est bien avec les trucs portables. Hop, voilà, c'est fait. Donc ouais, je cherche des initiatives comme ça, d'éditeurs qui seraient un peu plus légers, qui ne soient pas VS Code en fait. Mais parce que je déteste Electron et j'en ai ras-le-bol de voir ça. Donc ouais, on est encore. C'est encore compliqué. Hein. Après, le développement, il est très actif. Hein. Ça viendra, mais pour l'instant, c'est toujours pas prêt pour moi. Tac tac, qu'est-ce que j'ai encore? Mais on désespère pas, hein. Le problème, est-ce qu'il y a une version tiens portable de VS Codium? Chercher si on a un truc comme ça pour Windows. Alors, Win 32, ARM 64. Oh, ça c'est bien ça pour ceux qui. Comment? Pour ceux qui cherchent à. Pour ceux qui malheureusement ont tenté de. Enfin, ont pris le parti de dire. Eh, on va utiliser un. On va utiliser un laptop avec un processeur ARM sous Windows. Et pas peur les gars. Donc ouais. Ça c'est bien du coup. Alors par contre après c'est quoi? On a quoi? Codium, AMD 64 Deb, ARM 64 Snap, ARM HF, donc ça c'est des Linux. Ça, tout ça c'est des Linux, le source non. Ensuite on a quoi? On a les App Images, donc ça c'est pour exécuter sous Linux en mode full packagé, sans dépendance, sans rien. Darwin, c'est tout ce qui est macOS. Et donc après, on a les Win32 et les X64. Ok. Et on a le setup, on a les machins. User setup, donc en plus, ils font des installateurs en fonction du contexte où on est. Ouais, mais il n'y a pas plus simple. Parce que ça, c'est la même version, 24256, ouais. Et du coup, c'est quoi la différence entre le MSI? Parce que quand même, licence MIT, gna gna gna, copyright, ouais, d'accord. C'est licence MIT mais copyright hein, quand même. Hein. Allez, hop, on va voir de quoi il retourne. Ça, je vais fermer. Plus besoin. Ouais, Dark Modern, ça va très bien. Tune your settings. Ouais, on verra plus tard. Productivity, watchdog. Ok, hop, allez. Hop, VS Codium, 454 mégas. On n'a rien fait. Voilà pourquoi je ne veux pas de VS Codium. Pour moi, c'est du sens. Alors là, bizarrement, d'un seul coup, il est redescendu à 330 mégas. Mais... infernal. C'est infernal. Bon, après, j'ai aucun doute que... C'est quoi ça? Open Remote Window, non, on s'en fout. Connecte tout. Je sais pas comment ça marche, comment on fait pour connecter WSL.
Non, c'est quoi? Path forward, ok, on s'en fout. Alors, c'est quoi ça? Ça, pour le coup, c'est cool parce qu'on peut. Alors, si on fait ça, on lance un WSL. On a le WSL là, ok. Ah mais là ça marche pas non plus. Putain mais on peut pas. C'est quoi le délire là? On peut pas scroll preview, non? Oh, pitié. La galère! Regarde la galère, la galère. Non, ça je sais pas ce qu'il a. Open Remote Window, il n'y en a pas. Ah oui, c'est Connect to. Ok, d'accord. Et si on fait un Open Folder et qu'on prend. Ah bah là, j'ai pas l'option Linux. Ah bah. C'est ciao, hein? Si je fais un open workspace from file. Donc là on a un point code workspace, donc c'est pas ça. Ouais, si je fais open folder, je peux pas aller chercher les folders Linux. C'est dégueu. Comment je peux. Alors. Alors si je fais open file, je l'ai, mais si je fais open folder, je l'ai pas. Pardon. Mais voyons. Ça demanderait de faire un. On va quand même pas devoir chercher sur un DuckDuckGo pour un truc aussi soi-disant aussi facile à faire que. Oui, bon, là évidemment faut qu'il mouline les trucs. Hop, ça, qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Docker non. Cable. Ouais, c'est Ansible hein, qu'il faut chercher, mais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Help Red Hat improve its extension. Nya nya nya. Collect usage data. Non, non, non. Pitié, non. Merci. On a plein le cul. On en est où pendant qu'on bricole? Vous voyez, on est déjà arrivé à 600 mégas hein, pour l'installation des plugins. C'est quand même assez. C'est quand même assez dingue. Hein. Bonsoir Cybera, comment ça va? Bon, ça va, je suis éclaté. Je suis en train de me débattre avec VS Codium. C'était. Je cherche des options. C'est censé être un éditeur qu'on peut notamment brancher à WSL de manière très simple. Je n'y arrive pas. Voilà. Je dois être trop con, hein. Je sais pas, mais. Donc ça, c'est off. Mais du coup, je voilà, je n'arrive pas à trop de fonctions de toute façon. La différence entre VS Code et VS Codium. Oui, bah oui, c'est vrai que j'ai expliqué avant que tu arrives.
C'est la même différence qu'entre Chromium et Chrome. C'est qu'en fait, VS Codeium, c'est la base open source. En fait, VS Code, la base, est open source. Et VS Codeium, c'est une version packagée de la source de VS Code. Parce qu'en fait, le truc, c'est que VS Code, ce que fait Microsoft, c'est qu'en fait, le code de VS, enfin, la base de code VS Code est dispo sur GitHub, développement actif, tout ça, tout ça. Mais derrière, en fait, quand on télécharge VS Code ou quand on l'installe, la plupart du temps, c'est une version binaire packagée avec plein de merde par-dessus, dont la télémétrie et tout ce qui va mal, de chez Microsoft. Comme ils savent bien le faire, de la même façon que Google prend la base Chromium, rajoute toute sa merde pour traquer toute notre activité et collecter toutes les données, et hop, pouf pouf, c'est Chrome. Voilà. Donc Microsoft fait la même chose, c'est-à-dire que techniquement, quand on installe VS Code, on n'installe pas une version open source. Voilà. Et donc VS Codeium, c'est la version open source. Et donc normalement, on est censé être capable de se brancher simplement à un WSL2. Soit je suis trop con. Il n'y a pas de commande pour WSL. Il n'y a pas de. Donc je ne sais pas. J'essaye d'ouvrir un dossier, bah, de la même façon que. Ah, au-delà déjà, ce que je disais, c'est que j'ai fermé. C'est vrai que j'ai fermé la fenêtre, mais typiquement, moi, Sublime Text, il est là, il bouffe moins de 20 mégas de RAM. VS Code, il est à peine lancé, il bouffe 600 mégas. Et avant que je commence à dire on va installer des plugins, il en bouffait déjà plus de 300 à vide. C'est quelque chose qui me plaît moyennement, mais j'arrive pas à le remplacer. Je discutais notamment dans le sujet du titre du live de ce soir, qui est mise à jour actualité autour des IA et soit des IA génératives pour le code, soit des IA génératives en dehors pour le quotidien, ce genre de choses. Pour le traitement du son, pour le traitement de l'image. Oui, le traitement de l'image, on a ça aussi. C'est vrai que j'ai pas parlé du tout de l'image ce soir, mais on a une nouvelle version de Stable Diffusion qui est sortie cet été. Et ils ont dit, pas en Europe pour la version large, parce qu'on n'est pas sûr des droits d'auteur des images qu'on a utilisées pour l'entraînement, donc on le fera pas. Génial. Voilà. Et donc, non, bah, tant pis, on va chercher, mais je dois rater un truc, c'est pas possible. Comment je fais pour. Gemini Code Assist. Oui, mais voilà, mais du coup, bon, c'est un truc cloud, c'est chez Google. Moi, je suis partisan de il faut que ça reste en local. Voilà. Donc, on nous vend de la lune avec des modèles open source qui sont censés être ultra performants. Pour avoir vu certaines démos, ça a l'air d'être le cas, mais déjà, la plupart du temps, c'est oui, on a fait un plugin pour VS Code. Voilà. Ra le Q. Alors, du coup, comment je fais? Coding guidelines, build and run from source. Non, documentation. Hop. Ah ouais, non, mais ça, c'est. Gentil, les gars, mais. Ça, c'est le code de la doc. C'est pas le site de la doc. J'utilise quoi comme modèle? Bah, rien pour l'instant, parce que j'ai pas eu l'occasion de vraiment. Alors si, techniquement, quand les rares fois où j'ai tenté des choses, notamment au travers de Oliama. D'ailleurs. Au travers d'Oliama ou de tester, j'ai testé des modèles pour l'instant plus ou moins génériques. Là, typiquement, j'ai lancé un Llama 3.2. Je pourrais éventuellement l'essayer, mais c'est pas encore mon trip. J'avais testé avec du Mistral, j'avais testé avec. Voilà. Et il y a des modèles qui sont
supposément. Supposément plus ou moins. Oui. Marc. C'est quoi? Je ne sais plus ce que j'avais vu. Des trucs qui sont. Voilà, typiquement, DeepSeek Coder, il est censé être. Oula, désolé, taper. Adapté à l'écriture de code et centré sur. Et même, on parle de mixture of expert, donc c'est qu'en fait, on fait un entraînement spécialisé sur un truc un peu précis, on les rajoute ensemble, et après, quand on utilise le modèle, il est censé détecter quelle est la cible pour aller utiliser son entraînement spécifique sur ce truc-là. Donc en fait, on a des bouts de. Donc typiquement, par exemple, Mixtral, ils l'ont appelé en 8x7B parce qu'en fait, ils ont fait 8 entraînements sur des éléments spécifiques. Voilà. Ouais, mais moi déjà, le fait d'avoir la possibilité de l'utiliser de manière intégrée dans un éditeur qui ne soit pas VS Code, c'est chiant. Et même VS Code, là, bon, bah, ça a l'air un peu compliqué à utiliser, quoi. Oui, donc je voulais du coup faire la recherche. Hop, on va virer ça. On va tester VS Codium pour voir, parce que du coup, ça se trouve. Hop. Bah voilà, Auto Setup WSL2 with WS Codium on Windows. Donc manifestement, on a besoin du remote. D'accord. Donc du coup, manifestement, il faut installer l'extension qui n'est pas installée. Alors déjà, il y a ça, Open Remote, mais c'est tout. Mais en fait, j'ai pas le WSL extension. Si on fait remote, ça va quoi? Remote OSS, remote machine. C'est quoi remote machin? Remote extension host machinery of VS Code for OSS build. Ouais, machinery is the same as proprietary. MS VS Code remote SSH. Ah oui, d'accord. Okay. Putain, ça a l'air d'être le bordel ça. Donc oui, manifestement, typiquement, la tripaille pour connecter WSL, ça a pas l'air. C'est ça, Open Remote. Donc ça, non, ça, je viens de l'installer. Donc là, est-ce que du coup, je peux faire un Open Folder? Ben non, du coup, il est toujours pas plus d'options. Ça, c'est visuel, mais j'ai pas le truc. Alors du coup, ça va être comment on se sert du plugin? Ah! Oh! Oh, bah alors là, si ça marche. Oh! Oh, bah dis! Allez! Ouais, vas-y. C'est moi le test. Il a détecté que c'était de l'Ansible. Oh, incroyable. Incroyable. No view registered with ID WSL target. Bon, c'est pas très grave. Et du coup. Terminal. External terminal, ça va être ça, non? Terminal, attach to session, ça va être ça, non? No unattached, oui, bah oui, non, il n'y a pas de session. Ah oui, donc c'est ça, en fait, il fallait installer du plugin. C'était pas un. Alors potentiellement, enfin, ouais, typiquement, par exemple, potentiellement, quand on installe VS Code tout court, Microsoft, ils embarquent leur propre truc pour se connecter au WSL2, qui a priori n'a pas l'air. Alors soit maintenant c'est open source et quand ce truc-là a été ouvert il y a 2 ans ça ne l'était pas.
Bon, en tout cas, voilà. Donc oui, donc là, éventuellement, par exemple, putain, on pourrait se faciliter la vie en disant. Alors, ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'est toujours pas, on peut pas dire zoom le texte, zoom l'interface, non, c'est pas ça. On n'a pas de truc là-dessus. Hein. Ce serait trop simple. Ah, toggle panel. Oui, terminal. Oh là là, oh, c'est beau. Voilà. J'aimerais bien que ce genre de choses fonctionne aussi bien dans d'autres terminaux que dans d'autres éditeurs que VS Code, en fait. Donc là, on a le CFG, d'accord. Après, derrière, est-ce que j'ai le playbook, il est là. Ok, ouais, bon, bah, ça colle pas si mal, en fait. Hein. Ce qui est chiant, c'est que je suis pas ultra fan de la coloration YAML, en fait, du truc. C'est-à-dire que là, typiquement, c'est assez basique. Tout ce qui est là, il fait pas la distinction, c'est de la chaîne de caractères ou c'est un truc générique. Éventuellement, il va mettre là le. Ah, après, peut-être que. Un truc comme ça et que je fais ça. Normalement. Ah, bah là, il le met en bleu aussi. Oh la vache. Je fais ça. Oui, bah, il va le. Oui, parce que c'est en minuscule dans. Ok. Ok, oui, donc on pourrait éventuellement commencer à se dire on va utiliser VS Chromium. Ça me plaît pas, hein, je vais pas vous mentir, ça me plaît pas. Source contrôle. Là j'ai rien modifié, donc voilà. Mais ouais, là, putain, j'ai essayé de. Je fais un contrôle rôle, contrôle molette, il grossit pas. Non, tu m'emmerdes, j'ai toujours ça. Mais c'est un peu pénible cette histoire. Du coup, on est obligé de. Apparence. D'accord, donc c'est forcément raccourci clavier. Donc là, si on fait ça. Ok, donc là, ça. Alors non. Oui, mais c'est pas grave. Du coup, c'est quoi View? Apparence. Le zoom out, c'est quoi? Numpad! Génial, j'ai pas de numpad. Hop! Zoom out. Pour que ce soit déjà plus. Ok. Et en plus, et du coup, il zoome tout. D'accord. Bon, bah. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a le grand. Ok. On a le graphe. Ouais, et donc là-dedans, on pourrait envisager, du coup, si on va dans les extensions, par exemple. Oliama Auto Completion Engine. Voilà. Alors, oui, non, non, mais le. Alors, le truc, c'est que voilà mon clavier. Bon, en vrai, je pourrais potentiellement. On va faire ça, puis on va faire ça pour le montrer en grand. C'est un TKL. Donc, déjà, le raccourci par défaut, bah, c'est contrôle égal, ça me va. Parce que le égal, il est là. Le problème, c'est que derrière, il me dit pour faire zoom out, c'est contrôle avec le moins du. Comment? Du pavé numérique. Et le reset zoom, c'est contrôle 0 du pavé numérique. On le sent le problème, le pavé numérique il est là. J'en ai pas. Donc voilà. Donc c'était un peu. Voilà, c'est le genre de truc qu'il faudrait retoucher du coup. Bah, j'ai essayé le contrôle moins, mais il me l'a. Ou alors il faut le faire comme ça. Si je me remets là-dessus. Non. Non, contrôle moins, ça marche pas. Non, non, là on le voit hein, dans les raccourcis, là dans apparence. Le zoom, c'est contrôle plus. Ah oui, pardon. Désolé. Le zoom, c'est contrôle plus. Et le zoom out, c'est contrôle numpad subtract. Donc le contrôle moins du pavé numérique. Et le reset zoom, c'est contrôle numpad 0. Voilà. Mais ça se change, ça, apparemment, il me semble. Hein. Donc le terminal, c'est contrôle U. Oui, d'accord.
Effectivement, c'est contrôle U. Enfin, contrôle U accent grave. Et donc là, voilà, on a des plugins de. Donc là, il nous dit le Quack Compagnon, c'est une extension qui va chercher un truc plug and play context for code generation. D'accord. Bon, de toute façon, là, je pense que oui, il est déjà. Oh putain, il est déjà 23h10. Je vais pas non plus y passer 4 heures et j'ai pas spécialement envie. Le problème, c'est que voilà, j'aimerais utiliser autre chose que ça. Autre chose qu'un navigateur qui derrière bouffe. Parce que là, mine de rien, avec tout ce qu'on a installé, on arrive. Non, ça se tient encore à 500 mégas de RAM. Et c'est quand même toujours quelque chose, hein. Mais voilà, le fait est qu'il y a la connexion native à WSL, et ça me plaît bien, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Hop, ok. Alors pourquoi il m'a. C'est quoi ça? Pourquoi il gueule? C'est quoi le problème? Il y a quoi comme problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi il m'affiche un point d'exclamation? C'est parce que c'est du YAML, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est du YAML. Ok. Ok, je comprends mieux. Ouais, enfin, les playbooks, ouais. J'ai autre chose que du service. Alors, le J2, il le connaît pas. Le Jinja 2, il connaît pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir des. Voilà, j'aimerais bien avoir un truc qui me. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre à part. Alors après, on a quoi c'était? J'avais dit, on avait vu, c'était. C'était Cursor, voilà. Donc c'était Cursor Clone. Non, alors, Cursor Clone. Void, voilà. Le problème, c'est que Void, c'est pas encore open source. Enfin, si c'était open source, justement, début du jeu. Sauf que c'est pas encore. Il n'est pas encore prêt. C'est en développement, faut le compiler à la main. Je ne suis pas spécialement fan, mais la promesse, et du coup, l'idée, c'est quand même de pouvoir. De pouvoir le faire tourner, comment dire, éventuellement avec des modèles de. Des modèles de langage locaux avec du Oliama, ou peut-être d'autres outils qui exposent une API, potentiellement. Alors, j'ai vu très vite apparaître, c'est vrai que quand je regardais fin d'année dernière, beaucoup d'outils se sont mis à finalement un peu comme les outils de stockage objet se sont mis à copier l'API S3 d'Amazon. Quasiment tout le monde copie le format d'API de OpenAI pour ChatGPT. En soi, c'est pas si grave que ça, on parle d'une API, donc on parle d'un format d'API, c'est pas la mort. Mais comment. Mais du coup, voilà, lui, il vient d'être lancé, et donc, bon, bah, c'est pas. On n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas encore. Donc là, oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a de l'autocomplétion, mais pas des trucs un peu énervés, des trucs potentiellement énervés. On a des modèles de sélection, poser des questions sur un fichier, ce genre de choses. Faire de la recherche intelligente. Donc c'est pas mal, mais le problème c'est. Enfin voilà, c'est. Pour l'instant, c'est pas prêt. Pour l'instant, c'est pas prêt, donc je vais surveiller. Et donc voilà, on voit qu'on peut utiliser.
Polyama pour utiliser un modèle local. Encore une fois, c'est la promesse. Et pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Frustrant! Frustrant! Et donc ça, c'est pour du code. Et puis après, ben voilà, tout ce qui est autres usages. Enfin, typiquement, je sais que la gestion d'image, pour l'instant, c'est niet, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui me fait image ignorée? Ah non, ça. Quand même eu un petit freeze. Hein. Bon. Donc, ok, bon, du coup, ça prend pas tant que ça de plugger un WSL2 sur un VS Codium. C'est quand même pas la folie, mais ça peut être sympa. Je verrai. De toute façon, de manière générale, je commence à réfléchir à remplacer Sublime Text parce que bah, typiquement, en fait, l'architecture de Sublime Text ne permet pas. C'est pour ça qu'en fait, je suis désespéré parce qu'il n'y a rien. Il y a même des choses que j'ai perdues depuis le temps. L'architecture de Sublime Text fait que quand on crée un panel entre guillemets dans la fenêtre, il va y attacher toute sa mécanique avec un historique de modification, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des effets de bord, avec des lenteurs, des ralentissements, des surconsommations de mémoire. Et j'ai eu le tour, par exemple, avec un plugin de Live Preview. Pour du Markdown, c'est-à-dire que vous faites la modification du code Markdown et vous avez le rendu à côté en temps réel. Ça s'est mis à déconner très fort avec les versions récentes de Sublime Text, donc ça s'est pas arrangé. Si vous voulez un terminal, pareil, le terminal, j'ai eu des galères avec pour le faire fonctionner, et au final, le gars qui a développé le plugin, il a expliqué qu'il en avait pleuré du sang pour réussir à le faire fonctionner sans que ça plante, et c'est une vraie galère parce qu'il y a des éléments qui doivent être nettoyés en temps réel. Pour pas qu'il casse les couilles sur la consommation de mémoire dans Sublime Text. Donc ça, c'est des problèmes d'architecture de l'éditeur. Ce qui est con parce qu'à la base, il est quand même ultra léger, on l'a vu. Hein, je sais pas. Un méga, c'est imbattable. Genre méga, c'est imbattable. Mais du coup, c'est. Voilà quoi. C'est ultra compliqué à remplacer sans que ce soit. Ouais, enfin, Notepad plus, je sais pas si je l'ai réinstallé. Non, je l'ai pas réinstallé. C'est quoi ça? 17 septembre, Taiwan's return to. Oui, bon. Ça. C'est assez fréquent. Alors, GitHub. C'est du C++, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut avoir des choses bah, comme moi j'ai, c'est-à-dire le fait de pouvoir se brancher un WSL2 pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique? Typiquement, un des problèmes que j'ai avec Sublime. Alors, je sais tout à fait ouvrir. Alors, je vais essayer de chercher. Est-ce que j'ai une fenêtre où. Non, j'ai que des onglets à l'arrache, donc j'ai trois fenêtres de merde. C'est pas grave. Si je fais un open folder, j'ai accès au Linux. Il n'y a pas de problème, sauf que dans la pratique, c'est un. Comment? C'est du réseau. C'est techniquement, c'est du réseau local en CIFS. C'est Microsoft, hein. Fallait qu'il fasse absolument un truc dégueulasse. Voilà. Si je reprends ce dossier-là, il est ouvert, c'est très bien, il n'y a pas de souci.
Alors bon, déjà, ça c'est encore autre chose, mais... Hop, oui. En fait, il me zoome tout. Alors déjà, vous voyez, je peux zoomer la taille du code, mais je peux pas zoomer le panel des open files. Ça me gave. Ça, c'est fait partie des trucs comme ça. Mais typiquement, si je fais un nouveau fichier, donc là, je l'ouvre. Ok, pas de problème. Je vais y mettre de la connerie. Hein, voilà. Je veux l'enregistrer. Bon, là, il a quand même gardé le dossier, mais... je fais ça. Même quand j'ai zoomé, alors ça dépend aussi. C'est vrai que le problème, c'est que typiquement, l'interface de Firefox, je peux pas la changer. Je peux zoomer que le texte. Hein. C'est pour ça que je suis déjà à 130% dans Firefox. Mais après, je sais qu'il y a des endroits comme GitHub où ça fait un peu de la résistance, notamment du code. Mais tous les éléments d'interface, c'est un peu compliqué. Le truc, c'est que je suis en 1440p, donc c'est un peu de... Mais il faut vraiment pas hésiter à le dire. C'est vrai que je le répète pas toujours. J'ai plus tendance à dire quand je suis en réunion, que je partage mon écran, en télétravail notamment, j'ai tendance à dire aux gens est-ce que vous voyez bien, est-ce que c'est trop petit, mais c'est vrai que je le redis pas. Et comme j'ai un retour qui est relativement petit, je me dis que finalement ça doit être lisible, mais c'est vrai que si on met pas la vidéo en plein écran, c'est compliqué quoi. C'est un peu compliqué. Du coup, oulala. Ah ouais, non, mais il faut vraiment le dire en fait. Bah, alors là, cette fenêtre-là, je dis voilà, c'est normal parce qu'en fait, je peux pas faire autrement. L'autre solution que j'ai, malheureusement, après, c'est de grossir l'intégralité de l'interface au niveau de Windows. Et si je fais ça, il me demande de redémarrer la session. À moins que ça ait changé hein, avec le temps. Mais typiquement, à l'époque de Windows 10, quand on fait ça, il nous demande de... donc là, oui, je suis désolé, c'est encore petit. Mais... c'est où? Non, mise à l'échelle, c'est ça, ouais, si je fais ça. Ah non! Oh! Ah! D'accord! Ok, donc là, c'est peut-être un peu plus lisible. Ouais, non, mais risqué, il avait OBS, bon. Voilà. Non, non, mais effectivement, là, ça doit déjà être un poil mieux. 150, le problème, c'est qu'après, ça fait vraiment gros. Hein. Pas se mentir. Et en plus, là, ça commence à péter le... J'avais masqué la barre démarrée, mais... Mais du coup, si on repasse dans... Alors, pas cette fenêtre-là. Ah putain, mais alors, du coup, je mélange les pinceaux dans les fenêtres. Ah oui, là, du coup, en fait, j'ai peut-être plus besoin du zoom à 130% dans Firefox. Mais au moins, ça zoome l'intégralité du truc. C'est peut-être plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Eh ben, merci de m'y avoir fait penser. Non mais en fait, c'est vrai que... Alors ça, j'étais resté pour le coup. Voilà, typiquement, moi je sais que sur Windows 10, il me semblait qu'à l'époque, quand on faisait ça, ça demandait de redémarrer. Alors du coup, moi ça fait des trucs affreux, gros, comme pas permis, et il faudrait que je retouche la... Comment ? Faudrait que je retouche le... Alors, comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Non, c'est desktop live. Ouais, voilà, c'est ça. Si je prends cette fenêtre-là, voilà, j'avais fait ça. Il faudrait que je fasse... ça, comme ça. Est-ce que ça le fait en temps réel ? Non, parce que c'est du... Ouais, voilà. Avec la petite animation pour virer le restant de la barre des tâches. Hop. Donc, oui, bon, voilà, ça. Et ben voilà, en tout cas, donc au final, c'est au niveau de Windows. Alors, je sais pas si je peux piloter ça pour dire, en fait, dans mon script, je sais pas s'il y a moyen...
Alors, comment ça s'appelle du coup? Ça s'appelle mise à l'échelle, modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments. Oui, parce que du coup, dans Sublime Text, ouais, ça devient un peu plus lisible là au niveau de. Bah ouais. Et donc, du coup, j'ai peut-être plus besoin de zoomer autant le texte au niveau de. Ouais. Oh ouais, putain. Et en plus, je peux le faire que sur l'écran principal pendant qu'on est en stream. J'ai pas besoin de. Comment? De bricoler comme comme un bourrin, et ça me touche pas le. Et en plus, ça m'arrange parce qu'en fait, sur le deuxième écran. Ouais, clairement. Clairement, on peut lire le texte. Enfin, c'est plus facile de lire tout le texte. C'est-à-dire que typiquement, bah, dans le navigateur, je zoomais, dans l'éditeur, je zoomais, mais dans l'éditeur, ça zoomait que la partie code. Dans Firefox, ça zoomait que l'intérieur des onglets. Mais ça zoomait pas l'interface. L'interface, elle restait au truc de base. Donc, alors par contre, c'est très bizarre. C'est quoi le. Pourquoi c'est jaune là? Qu'est-ce que j'ai en. C'est quoi ce. Ah oui, d'accord, j'ai un cadre jaune sur tout le truc. Ah, peut-être potentiellement pour indiquer que j'ai un. D'accord, mais vous le voyez pas. Oui, il n'y a que moi. D'accord. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Et alors, du coup. Donc, c'est scaling. Est-ce qu'il y a moyen de contrôler le scaling? Typiquement avec PowerShell, un truc comme ça, non? Je sais pas. Windows 11. Modify. Scaling with. Display DPI scaling level in Windows 11. Oh. Oh. Donc ça c'est dans les settings, oui. Ça c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je viens de faire. Set custom DPI scaling level for all displays. Non, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça c'est toujours. Registry Editor. Non, je ne vais pas déconner. Le problème du Registry Editor, c'est que c'est. On n'est pas. On peut pas. C'est pas du temps réel, je crois. Il me semble. Hein. Ouais, voilà, faut se déconnecter et se reconnecter. Donc ça m'intéresse pas. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du temps réel. Donc si ça se trouve, il n'y a pas moyen. Parce que si on pouvait le faire avec un script ou avec une commande. Ouais, donc là, c'est la même. On a la même, et là c'est pareil, éditeur de registre, mais j'en ai rien à foutre. On peut le faire pour des applications. Ah oh ouais, non, faut pas déconner. On a l'option via le GPU, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est? Bonne fin de soirée, merci pour le stream. C'est l'heure de la bouffe! 23 moins 6. Ouais, 17, ouais, c'est le goûter, quoi. C'est le goûter. Bah, bon appétit et bonne fin de journée. À plus tard et encore merci, du coup, pour le. Comment? Pour le truc. Tu pourrais garder ta résolution d'écran et change ton output scale résolution d'OBS. Mais je suis déjà en output scale résolution en 1080. C'est bien le drame. Et c'est pas suffisant. Donc du coup je. Mais en vrai, du coup, ce. Parce que juste pour le stream, changer ce zoom-là sur l'écran. Surtout que c'est en réel, j'ai pas besoin de redémarrer quoi que ce soit. Hein. Et alors du coup, j'ai plus besoin de zoomer. Non, raté. Hop. J'ai plus besoin de zoomer autant le texte, hein, mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Encore une bonne chose d'apprise de qu'on a appris à faire. qui est beaucoup plus intéressante et qui est même beaucoup plus intéressante pour moi parce que du coup, moi, ça me zoome plus le stream manager sur Twitch. Et du coup, j'ai moins de messages tronqués, de retours à la ligne, etc. sur le chat. C'est beaucoup plus pratique.
Bon, bah voilà. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir un truc. Est-ce que. Tiens, ce qu'ils disent de le faire dans le panneau d'AMD. Est-ce que dans. On va aller voir dans le panneau d'AMD. Mais sauf qu'il ne sera pas affichage. Affichage de VX. Ouais, là, c'est mise à l'échelle du GPU. Donc, en fait, c'est la carte graphique qui fait le boulot. Ça m'intéresse pas. Donc, du coup, ça m'intéresse pas. Mais en fait, c'est con parce que c'est le genre de truc qui pourrait être fait. Qui pourrait être fait avec. Raccourci clavier. En fait, on pourrait éventuellement le. Il me semble qu'il y a moyen, potentiellement, rapide d'affichage. Donc là, on annonce. Ça, c'est tous les trucs de rotation, on s'en fout complètement. Sidebar, on n'en a plus. Raccourci d'enregistrement, raccourci de streaming, non. Ah non, on n'a pas de raccourci pour gérer la partie GPU scaling, donc en fait. Parce que c'est vrai que ça pourrait être cool si je pouvais faire ça. Bon, je pense que je chercherai de mon côté. En tout cas, c'est cool. On a trouvé une bonne amélioration qui sera bien pratique pour vous. C'est sympa. Ça me va bien. Après, c'est les modifications de taille de texte, mais je m'en bats les couilles. Ah, c'était ça, le changement de taille de texte qui du coup foutait la grouille et qui demandait de redémarrer la session et tout le bordel. Donc ouais, je sais pas si. Ah, display scaling, machin. Est-ce qu'il y en a qui. Alors là, on a une réponse potentiellement. Batch script that will emulate keyboard strokes to manipulate the GUI to adjust scale and layout option and change text size or text apps and other items when it runs. Bon, ça m'intéresse pas. Oh non, ça va être dégueulasse. Ah oh ouais, non. Pre-compiled release contains the single binary that allows you to set the DPI using set DPI 150. Et ben voilà. Alors, donc ça l'a de. Alors. Donc c'est quoi ce truc-là? Pouf, pouf, pouf. Sample C++. Sample and simple C++ console project to change window scale and layout aka DPI scaling from command line parameters. Oh. Pour le faire, je pourrais avoir des touches du coup sur mon stream deck pour faire ça. Quelle heure il est? 20h30, 23h30? Oh non, allez. Vraiment. Set the second monitor to a value of 250. Set main monitor to a value. Donc soit on spécifie pas de. D'accord, donc du coup, si on va dans les releases, allez. Release, on a quoi? On a le point .exe. Point .ahk, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. It is highly recommended to compile the project yourself if you can. Ouais. Est-ce
Ok, bon. Juste pour le tester. Juste pour le tester. Alors, c'est le DPI, donc on a vu la doc vite fait. Il nous fait quoi? Si on fait get, là on est à 150 et donc c'est l'écran 1. Si je fais get 2. Ah non, j'ai 150 sur. Quoi? Quoi? Comment ça? Je suis à 150 aussi sur le. Ah d'accord, il m'a mis automatiquement 150 sur le 4K. Ok, donc je suis à 150 sur les deux. D'accord. Et donc du coup, si je fais 7 DPI. Oh merde, alors du coup, je sais pas lequel est le. Ah si, on a dit, c'est quoi? D'accord, on a le 1. Oui, donc le 1, c'est l'écran principal. Donc normalement, on n'a pas besoin de mettre de paramètres. Si je remets 100. Oh mais non. Mais c'est la vie. Là, c'est redevenu tout petit pour vous. Mais si je remets 150. Ouh. Bon, et ben. Et ben voilà, je vais me rajouter ça au Stream Deck. Alors, je sais pas où je vais ranger le 7 DPI, mais il faut que je le foute dans un pass quelconque. Et puis après, je sais pas dans quel profil. Alors, je peux le mettre dans le multi-action. Ouais, non, peut-être pas. Parce que si je vais dans le multi-action, j'ai quoi? J'ai le Stream Manager, ensuite j'ai OBS. Alors, en vrai, je pourrais faire ça. Hein. Et après, je me rajoute une troisième option où je me mets le scale à 150. Hein. Comme ça, ça met vraiment le setup full stream. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a foutu une espèce de cadre... Moi, sur mon écran, même quand je suis à 100%, il m'a foutu une espèce de cadre jaune sur le bord de la fenêtre. C'est un peu chelou. Ah, mais non, je suis con. Non, c'est pas ça. Non, bah non. Bah, je sais pas, alors. Ah, ou alors c'est... Non plus, c'est pas OBS. Bon, bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, du coup... voilà, c'était tout pour ce soir. C'était un peu, certes, léger, mais il y a eu un peu de bricolage quand même. Donc, cette fois, ce week-end, je ne fais rien de particulier, donc ça ne devrait pas prendre 3 jours pour balancer le replay sur YouTube. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a suggéré qu'il fallait vous rappeler que si vous voulez pas rater justement les sorties des comment les sorties des replays, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube pour, et activer les notifications si vraiment vous voulez être mis au courant, si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous faites comme moi, si vous utilisez le flux RSS, vous n'avez pas besoin d'être notifié. Voilà. Ça, c'est pas le cas chez tout le monde, donc je le prendrai pas comme ça. J'ai l'habitude de laisser les replays sur Twitch aussi, même si j'ai vu que c'était pas du tout l'usage. Parce que quand on regarde quand on regarde la chaîne, les vidéos, le nombre de vues des replays, c'est vraiment pas ça. Normal, hein, Twitch est pas vraiment conçu pour. Donc généralement je balance les temps forts et et après j'ai beau dépublier la vidéo, elle continue de faire des vues après qu'elle soit dépubliée. La vidéo, le stream original est gardé pendant 7 jours sur Twitch et après il décalque le machin. Mais c'est comme ça que j'ai perdu la migration WordPress. Parce qu'ils ont fait la mise à jour de la rétention de 14 jours à 7 jours sans prévenir et que du coup j'ai raté cette la récupération du stream, donc parce que j'étais moins organisé, moins assidu à l'époque pour prendre les replays et les mettre sur YouTube, donc ça c'est foutu.
Et du coup, donc oui, voilà. Pour l'instant, je ne fais toujours majoritairement que les vendredis soirs, mais j'exclus pas de faire un autre jour. Donc, si vous me suivez pas sur, alors je communique principalement sur Twitter. J'ai beau avoir récupéré les accès Mastodon et Blue Sky, vu le peu d'activité que je mets là-bas, je suis pas sûr que ce soit. Pour l'instant, c'est pas un critère de. Vous pouvez toujours me contacter. Par contre, il ne faut pas attendre une réponse dans la journée parce que je ne les regarde pas tous les jours. C'est un réflexe que je n'ai pas encore. Donc, il faut que je m'y remette. Je reste encore principalement actif sur Twitter, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, pas forcément, mais. Même si c'est plus le Twitter que c'était avant que le melon rachète tout et fusille tout. Comment? Du coup. En croisant les doigts pour que je puisse régler tout ce qu'il y a à régler par rapport à mon application cobaye, on pourra reprendre la suite de la série Chaos Engineering la semaine prochaine où on passera au sujet du monitoring. Et de l'observabilité de manière générale, où on se concentrera un peu sur ce que OpenTelemetry a nous proposé. Voilà. Si tout se passe bien, sinon, ce sera soit un des millions de sujets que j'ai dans Joplin si je suis motivé. Sinon, j'avais parlé la semaine dernière du fait d'avoir des idées maintenant qu'on a ressuscité Pépère, qui du coup doit être en batterie pleine maintenant. Oui, c'est ça. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais il y a quoi? Il y a deux ans, peut-être trois, je sais plus. J'avais publié un article sur le blog à l'époque où j'avais encore envie d'écrire, où je m'étais amusé à installer Ansible dans Termux. Et installer Ansible sur un Android. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande pas mal de boulot. Et je voulais voir si ce que j'avais fait à l'époque est toujours valide aujourd'hui. Pour installer Ansible en 2024 sur un téléphone Android pour faire de l'Ansible on the go. Entre guillemets. Et potentiellement peut-être même tester d'autres choses pour rigoler, hein, du Terraform ou ce genre de choses. Puisqu'on a des binaires pour ARM, devrait y avoir moyen de lancer un binaire, un Terraform ou d'autres binaires sur un téléphone. On pourra l'expérimenter directement dans Termux depuis ce téléphone-là. Voilà. Donc, ça, c'est le backup. Voilà. C'est le backup pour vendredi prochain, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et du coup, bah ça permettra peut-être aussi, je vous montrerai peut-être aussi ce que j'ai fait, pour comment utiliser un téléphone sans compte Google. Je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé, ou je l'ai écrit sur le blog il y a longtemps. Longtemps. Comment? Puisque j'ai commencé à faire ça en 2018 ou 2019, en gros, quand j'ai acheté le Huawei P20 Lite, que j'ai acheté l'année de sa sortie, je me suis dit, je vais utiliser le téléphone sans compte Google et on va voir comment ça se passe. Je ne recommande pas. Je recommande que si vous savez exactement ce que vous faites avec votre téléphone. Parce que c'est vraiment pas facile. Il y a des périodes où c'est galère. Sur ce, eh bien, j'aurais encore passé quasiment 1 heure de plus que ce que je faisais historiquement. Mais c'est cool. Donc, du coup, c'est cool parce qu'on a encore appris plein de trucs. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais pas tarder à aller me coucher. Ah non, faut que je. Je vais aller faire mes courses. Je veux manger ce week-end, il faut que je fasse des courses.
Donc du coup, je vous souhaite bonne fin de journée pour ceux qui sont encore en plein après-midi de l'autre côté de l'Atlantique, bonne nuit pour ceux qui regardent à peu près à la même heure où je suis en train de faire cette diffusion, et bon ce que vous avez à faire en fonction du jour et de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo si vous regardez sur YouTube. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!